thank you Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez, euh, c'est un petit peu euh, un petit peu euh, organisé à l'arrache euh, ce live euh, avec, euh, avec Gabriel qui est, qui est aux commandes en fait. Hein. Je le remercie Gabriel de, de, de nous prêter la chaîne de, de, de Wissenheim pour ce petit live. Euh, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien Grenier, je suis président de MuJunction. Euh, et donc on avait évoqué tous ensemble, notamment pour ceux qui suivent le Slack, le, le, le fait de, de faire un petit tutoriel sans prétention sur Inirate 6. Euh, donc euh, voilà, le but de ce soir, c'est de passer un petit peu de temps ensemble pour, pour celles et ceux qui, qui ont euh, décidé de rentrer chez eux après le beau temps pour ceux qui en ont eu. Voilà, je ne sais pas si et pour vous c'était sympa. Euh, dans le nord ici et dans, dans la Picardie de manière générale, on a eu plutôt du beau temps ce dimanche. On va se donner quelques minutes pour vous laisser le temps d'arriver. Donc je vois qu'il y, y a déjà du monde euh, ce soir euh, qui, qui, qui suit un peu. Hein. Je vois Rémi, je vois Michel, Patrick, Frédéric, Dr Green, Gabriel bien sûr, Fabrice. D'autres qui d'autre, René, qui est là aussi, Pascal Anatole Malé. Bonsoir à tous. Alors, j'ai le chat en retard parce que j'ai pas la console de chat de, de la chaîne YouTube de Gabriel. Hein, donc, ne soyez pas étonnés si je réagis un peu tard à vos questions. On va, ça va être un peu bricolé, mais on va y arriver. Quoi. Alors, pourquoi on n'a pas fait ça sur, sur la chaîne de, de Mujunction bah, Tout simplement parce qu'on ne l'avait pas prévu. Et que euh, lorsqu'on veut faire du streaming live sur une chaîne YouTube, il y a un délai d'activation de 24 heures. Voilà. Donc, on a fait la demande d'activation il y a une heure. Et on pourra vous faire des lives sur MuJunction dans 23 heures à partir de maintenant, mais pas tout de suite. Est-ce que vous m'entendez bien Le son est net L'image est bonne Vous me dites dans le chat. Bonsoir Frédéric. Alors, ça fait beaucoup de Frédéric. Hein. Il y a au moins trois Frédéric dans le. Le Slack. Donc, quand je dis bon, bonsoir Frédéric, c'est pour tout le monde. Bonsoir Marc. On va se laisser encore quelques minutes pour que les les derniers arrivent. Pensez à mettre des petits pouces vers le haut. Je vais faire pareil. Voilà. Ça c'est pour aider la chaîne de, de Gabriel toujours à, à avoir un meilleur référencement. Sans ok, merci Gabriel pour ton retour. Allez. Il est 42 à ma montre. À 45, on continue. On prend encore 3 minutes. Ok, nickel. L'image aussi, c'est bon. Vous avez un bon débit, une bonne qualité d'image. C'est important de bien voir parce que si vous n'avez pas le. Bonsoir Jean-Luc. Ok. Vous entendez des bruits bizarres derrière. C'est la famille qui fait du bruit. Hein Chez Gabriel, c'est les chats que vous entendez. Euh, moi ici, ben, vous avez les enfants. J'ai une famille de 4 enfants. Euh, donc euh, parfois il passe dans le couloir et ça peut faire du bruit, donc soyez pas surpris. <laughs> Mon image est un peu petite. Oui j'ai mis la, la caméra en petit, euh, c'est vrai que je pourrais la... Voilà, je... Hop, en attendant qu'on qu démarre le... Qu'on démarre le, le live, enfin euh, la présentation, je peux vous mettre ma tête en un peu plus grand. Ça mange pas de pain. Bonsoir Ethan. On y est presque. Allez, 43, on attend encore deux petites minutes. Je voudrais pas que trop de monde rate le début. Et puis, euh, et puis on l'en. Son limite, Rémi. Son limite. Qu'est-ce que tu entends par limite euh, Moi je suis pas mal ici. Je peux pas mettre plus fort. Est-ce que. Net mais faible. Net mais faible. Alors attendez, je regardais si je peux augmenter le volume sonore audio. Tu, 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 tu. Je suis comment au niveau du volume Je peux monter un peu. Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est mieux comme ça et est-ce que ça sature J'ai monté un peu le volume sonore. Par contre je voudrais pas que vous ayez un son qui sature. Vous me dites si ça passe bien ou si c'est un, si un peu limite. J'attends vos retours dans le chat. Non, tout le monde va être obligé de mettre un casque comme, euh, comme Pascal, c'est mieux. Bon, ok pour moi. D'accord. Bon bah il est 45. On y va et puis euh, bah, on fera avec. Donc je vais réduire ma tête pour ne pas occuper trop l'espace d'affichage du logiciel. Donc Anyrail. Alors d'abord première question. Euh, pourquoi Anyrail bah, Simplement parce que c'est celui que je connais. Euh, vous en avez d'autres. Hein. Certains préfèrent Riley, d'autres utilisent des, des logiciels un petit peu différents comme CDM. Je connais simplement AnyRail parce que lorsque il y a, il y a quelques mois, quelques années, j'ai voulu recommencer le modélisme, ben j'ai cherché un outil pour faire du, du, du schéma. Euh, j'ai trouvé très vite AnyRail, je l'ai essayé et vous pouvez le faire aussi gratuitement. Et ça, ça a été un point important. Euh, vous pouvez librement télécharger AnyRail sur le site de l'éditeur. Vous tapez dans Google AnyRail, vous allez le trouver. Euh, je vous montre l'icône hein, ici en haut à gauche pour ceux qui... Voilà. Vous avez le logo là en gros sur l'écran et vous pouvez librement le télécharger et le tester de manière indéfinie mais avec une limite. La question a été posée tout à l'heure. Dans la version gratuite, vous êtes limité à 50 éléments placés dans vos schémas. C'est suffisant pour l'essayer, c'est absolument pas suffisant pour l'utiliser vraiment pour un projet. Néanmoins, euh, un des avantages qui m'a aussi fait choisir Unreal e 6, c'est qu'il n'est pas cher. Euh, je crois que c'est euh, 49 ou 59 euros. Il est très bien maintenu. Euh, il y a une, une mise à jour tous les deux, trois mois. Enfin, le logiciel globalement est, 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 est fiable, stable et bien maintenu. Donc pour moi, c'est des critères qui justifient de, de faire confiance et de, de sponsoriser l'éditeur. Hein. En tant qu'informaticien, je veille à... à à ces questions là donc voilà pourquoi rail 6 je viens de vous dire qu'il était fiable et stable et je vais tout de suite signaler euh, un point c'est que il y a eu une mise à jour juste aujourd'hui j'ai fait une mise à jour avant de lancer ce live et pour la première fois depuis deux ans que j'utilise ni eh et bien il m'a fait un, un petit tour c'est que le réseau nomade que vous connaissez pour ceux qui suivent le slack j'arrive plus à l'ouvrir voilà, alors c'est la première fois qu'un de mes schémas ne marche plus, les autres marchent, très bien. Mais le réseau nomade qui est un des réseaux les plus complexes que j'ai modélisé avec AnyRay, j'arrive plus à l'ouvrir. Peut-être que mon fichier est abîmé, c'est possible, je ne dis pas que c'est le logiciel. Euh, je vais l'envoyer à l'éditeur, il euh, y, y a un support en ligne, je vais lui demander de, de vérifier si c'est le fichier ou si c'est un bug dans la mise à jour. Et puis on verra ce que ça donne, ce sera l'occasion de... Voilà, 49 euros. Ouais, depuis au moins deux ans. Moi, j'ai jamais eu pour l'instant à reprendre de version, puisque la version 6, je vois dans le chat que vous réagissez au prix. La version 6 que j'ai achetée il y a deux ans, c'est toujours la version 6. On est en version 6.51. Et donc, tant qu'on ne passe pas à la version 7, il n'y a pas à réacheter une mise à jour. Ces mises à jour sont gratuites pour une version majeure. Donc voilà, j'ai un schéma que je peux pas vous ouvrir. Bon, mais passons passons au vif du sujet. À quoi ça sert AnyRail je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut, euh, qu peut en faire avec, euh, avec ce genre de, de logiciel. Je viens d'ouvrir un réseau qui est un réseau un petit peu fou. Euh, quand on le regarde comme ça, c'est incompréhensible. Et pourtant, ça, c'est un réseau dans une pièce de, de 6 mètres 6 m par 3 qui est extrêmement dense, trop dense. Mais si on affiche ce réseau en vue 3D, Grâce à l'icône de caméra qui se trouve en haut à gauche, eh bien vous allez tout de suite comprendre à quoi sert un logiciel comme AnyRail. Voilà, vous avez ici une vision en trois dimensions du plan de voie, et vous voyez que ce réseau, bah, finalement, il n'est pas si compliqué que ça. C'est la superposition des, des trois niveaux qui le constituent. On distingue parfaitement. Quand on a une vue 3D et qu'on fait tourner le système, on voit parfaitement la rampe hélicoïdale à quatre voies imbriquées qui se trouve ici, qui finit en deux voies à un niveau, puis qui passe à une voie. Et vous voyez, voilà, c'est à ça que va servir un logiciel comme AnyRail c'est à se faire une idée, c'est un de ses usages, de faire une idée extrêmement précise de. Qu'est-ce qu'on est en train de construire? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les voix font leur travail? Est-ce que là où ça passe, ça va passer? Est-ce que mes circulations vont être viables? Et puis, on va aussi essayer de lui faire dire des choses sur la vue environnementale du réseau, c'est-à-dire les volumes. Vous savez que Gabriel, avec l'approche nomade, vous incite à raisonner scénographie et volume. Et donc, on peut utiliser aussi AnyRail pour placer ces volumes et pour, pour simuler un petit peu les masses de styrodure qui vont composer les, les, grands, les, grandes, les grands massifs de, de votre relief. Donc, là, ce réseau-là, en fait, c'est une dorsale qui est une hélicoïdale massive qui descend vers un niveau inférieur où il y a deux gares cachées qu'on voit. La première est ici. Voilà, je l'entoure avec ma souris là un premier gros faisceau de gare cachée, un deuxième faisceau qui se trouve à l'arrière de l'autre côté de la pièce, une boucle de retournement qui est en tour de pièce complet, l'autre boucle de retournement qui se trouve sous la rampe hélicoïdale. Alors, c'est pas facile à voir, mais on la distingue ici, là, sur le bout de la souris, il y a le début de la boucle de retournement. Donc, vous avez deux gares cachées en niveau inférieur, un réseau, un niveau de roulement principal avec une grande gare et des embranchements autour qui se trouve ben, au niveau 0 et un deuxième niveau sur étagère en voie unique, qui est ici. En fait, ce réseau, en version condensée, j'en avais parlé dans, dans le Slack, c'est une représentation miniature, très condensée, hein, très condensée, de l'USI. C'est comme ça que fonctionne l'USI. C'est-à-dire que vous retrouvez la gare de Maraudieux, et c'est son schéma de voie que vous avez ici. Vous avez quasiment à l'identique le, le faisceau euh, de la gare de l'usine principale au premier étage, les deux gares cachées de Chalon et Lyon en dessous, ce qui change dramatiquement parce que il <coughs> n'y a pas la place sur ce réseau-là, c'est le dépôt. Le dépôt est branché non pas du côté de l'hélicoïdal ici, mais à la sortie de ce côté-là, on va pivoter, voilà. Et le dépôt est ici, on a l'entrée dépôt, les faisceaux et le pont tournant et la plaque qui se trouve de ce côté-là et qui est Moins, moins ambitieux que celui de l'usine, mais fondamentalement c'est la même topologie que le réseau de l'usine. Donc vous voyez ça permet de se, de se faire une idée vraiment intéressante de, euh, de ce que peut être le réseau. Et quand vous revenez en, en mode création 2D, eh bien, ça donne ça superposé. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, euh, avec euh, enfin, tous ensemble, c'est bah, comment on peut arriver à ce genre de résultat et comment on va pouvoir par étapes successives construire des morceaux du réseau que vous venez de voir. Alors on va faire quelque chose de beaucoup moins ambitieux, mais par exemple on va voir comment construire une rampe hélicoïdale morceau par morceau et pourquoi je n'utilise pas par exemple la, la partie construction des, des rampes que propose Enirail. D'accord Donc on va repartir d'un nouveau schéma. Voilà. Je vais regarder euh... S'il y a des questions, non, il n'y en a pas beaucoup pas pour le moment. Euh, OK, c'est très bien. Alors, prise en main de Inirail, vous le téléchargez, vous l'installez. Si vous voulez faire quelque chose de sérieux, vous achetez la version à 49 euros. Vous mettez votre clé et c'est parti. Le logiciel est en français, notamment. Vous choisissez votre langue. Et avant de faire quoi que ce soit, eh bien, on va régler quelques paramètres et Dès à présent, je vais vous donner un petit truc pour utiliser le logiciel dans de bonnes conditions. Le logiciel vous propose un calque sur lequel, sur lequel vous allez dessiner euh, votre réseau. Vous avez ici, dans l'unité qui vous intéresse, donc moi je suis en deux décimales et je suis en unité métrique, hein, on peut le faire fonctionner en impérial et ainsi de suite. Bon, là, je n'ai pas changé. Euh, vous avez la taille du plan. Moi, je vous conseille, si vous voulez faire par exemple ce qu'on va faire aujourd'hui, euh, un plan de 4 mètres par 3 correspond à une pièce de 12 mètres carrés qui est, pour ceux qui en ont la chance, euh, bah, la chambre euh, d'enfant qu'on peut peut-être récupérer quand les enfants sont grands et sont partis pour y mettre un réseau. Hein euh, donc euh, voilà, si je veux faire un réseau de 4 mètres par 3, je vais mettre ici 400 par 300 et j'obtiens une grille de 400 par 300 que, que je, sur laquelle je peux dessiner, d'accord euh, mais euh, ce n'est pas pratique d'avoir le réseau, le dessin du réseau calé dans le cran à gauche. Pourquoi Parce qu'en fait, Enirel, quand vous allez venir placer des éléments en bordure de, du schéma, il a tendance, si ces éléments dépassent dans la zone extérieure, il a tendance à considérer qu'ils sont posés. Et vous allez avoir du mal à les aligner. Donc moi je travaille toujours avec un décalage maintenant de 1 mètre. Je me garde un mètre. Pourquoi 1 mètre Parce qu'un rail flexible, ça fait presque 1 mètre. Et donc j'ai la place pour manipuler un rail autour de mon dessin. Euh, ce qui me permet d'éviter les petits désagréments de manipulation. Puis vous allez voir aussi que quand on zoome avec la molette et la touche contrôle euh, le schéma, bah en fait on ne peut pas, vous voyez là, je ne peux pas. Voilà, j'essaye d'aller voir le haut du schéma. Vous voyez, j'ai mon point zéro ici en haut à gauche. Je ne peux pas faire descendre plus bas mon calque. Je peux remonter. Mais il, il, il arrive en buté. Quand vous êtes en zoom, vous ne pouvez pas aller au-delà, vous voyez, faire apparaître le bleu. Et donc vous êtes embêté pour aller être précis sur les coins. Donc en commençant votre schéma, vous voyez ici j'ai des règles qui... Vous voyez mon curseur souris, j'ai des pointeurs qui s'affichent et les unités qui indiquent où je me trouve, je vais commencer mon schéma au point 100, 100, c'est-à-dire à 1 mètre, ce qui va me permettre d'avoir une marge autour du schéma. Donc, pour faire mon schéma en ayant toute la surface dont j'ai besoin et en ayant de la marge autour pour être à l'aise pour travailler, eh bien, je ne vais pas choisir une feuille de 4 mètres par 3 mètres, je vais prendre une feuille de 6 mètres par 5 mètres. Voilà, donc ma feuille est plus grande, bien sûr, et mon schéma ne va occuper que la zone centrale de ma feuille, de manière à ce que je puisse facilement, quand je vais zoomer, vous voyez, eh bien, je vais pouvoir atteindre facilement les bords et travailler. Donc, si je viens placer des rails ici sur le côté temporairement ou un cadre, ou, bah, je serai pas limité par l'interface des ni-rails. C'est un de ces petits points un peu casse-pieds euh, dans l'ergonomie. Il n'y en a pas beaucoup. Mais euh, c'est un défaut que je trouve à ce logiciel, c'est qu'ils n'ont pas pris en compte le fait que quand on veut être précis, on veut aller travailler sur les bords du dessin. Ce n'est pas, pas très pratique de, 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 si on n'a pas accès à un peu plus que la zone de travail. Donc voilà, première chose que vous faites, vous définissez dans l'onglet Paramètres ici la taille agrandie de votre surface de travail. Et puis ensuite, vous avez tout un tas d'options. Notamment celle de la grille à droite. Est-ce que vous voulez être aligné sur la grille Quelle est la taille de la grille Est-ce que c'est 5 cm, 10 cm, 20 cm Bon, en général, je travaille à 5 cm. Pourquoi Pourquoi 5 cm Je travaille essentiellement avec du rail PECO code 75. Euh, L'anthrax, on en a parlé récemment, des voies PECO, c'est 52 mm. D'accord et donc, avoir un anthrax de la grille, enfin pas de la grille, qui correspond à 2 mm près, c'est-à-dire un pouillème d'erreur, hein, c'est moins de 2% d'erreur, euh, qui correspond à l'anthrax, ça me permet d'avoir un, un visuel grâce au trait de, de la grille qui, qui, que vous voyez à l'écran, qui correspond grosso modo à l'anthrax de deux voies. Voilà. Donc, selon la voie que vous utilisez, le schéma que vous faites, si vous faites du zéro, ce n'est pas les mêmes anthrax évidemment ou du N, euh, eh bien vous pouvez choisir un pas de grille qui vous correspond mieux. Moi, je travaille avec 5 et globalement, euh, je, 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 ça me convient bien. Quoi. Je vois Frédéric qui précise que c'est modifiable a posteriori. Oui, vous pouvez modifier a posteriori votre projet, ça va l'agrandir. Vous pouvez le réduire aussi. Si vous le réduisez, ça, ça ne vous fait pas perdre des éléments, ça dépasse, mais vous ne pouvez plus y accéder, donc vous pouvez agrandir la grille. Par contre, quand votre schéma a été complètement placé en haut à gauche du, du dessin et que vous voulez le recentrer, c'est un peu touchy, notamment vous n'allez plus être aligné sur votre grille. Et donc ça peut vous amener à avoir un dessin difficile à maintenir. Euh, la grille c'est quand même vachement pratique pour éviter par exemple que vos meubles soient pas bien alignés, vos, vos surfaces de table. Donc il faut faire un petit peu de concession et ça c'est l'expérience hein, qui, qui m'amène à, à travailler avec, euh, avec cette grille augmentée. Voilà, bon allez, maintenant, maintenant que j'ai ma grille, j'ai ma surface, et eh bien je peux revenir sur l'écran d'accueil, ici l'onglet accueil, j'ajuste à la fenêtre, ça me donne ma vision normale, et j'ai envie de commencer à placer des éléments. Alors qu'est-ce qu'on va placer On va placer les surfaces de travail, euh, donc on va placer euh, des tables, on va placer l'infrastructure hein, mobilière sur laquelle on va, on va tracer notre dessin. Et on va placer des reliefs. Et puis ensuite, on va venir placer de la voie. Alors, le sens dans lequel vous le faites, bah, ça dépend, comme toujours, d'un petit peu la méthodologie que vous appliquez. Pour placer des éléments, on a dans AnyRail tout un tas d'outils, et notamment un répertoire de rails qui se trouve ici, dans lequel vous avez l'essentiel des collections. Je ne sais pas s'il y en a qui n'y soient pas, euh, mais en tout cas, toutes celles que moi je connais, je les ai trouvées ici. Les collections de rails, et c'est très, très, très complet. Donc là, on utilise du PECO. Streamline code 75. D'ailleurs, on a eu récemment la discussion dans le Slack savoir qu'il existait une, une gamme Streamline code 70. Ben, vous voyez, dans la version 6.51, elle est présente. Dans les versions précédentes, je ne l'avais pas. Donc oui, il y a bien maintenant une, un range code 70 en PECO Streamline. Donc là, je vais prendre le code 75 habituel. Ça me donne une petite bibliothèque de rails que je peux euh, adapter dans lequel je peux euh, afficher uniquement certains éléments donc ça si vous la prenez sur votre version de nirel il y aura dans cette fenêtre là il affiche les rods les, 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 les rails Peco code 75 il y aura des rails que moi je n'ai pas vous constatez notamment qu'il y a pas euh, il y a certaines aiguilles ou certains éléments que j'ai masqué en fait vous pouvez voyez bouton de droite sur un élément si vous ne l'utilisez pas vous pouvez masquer euh, certains rails et il euh, y a moyen de voilà en cochant afficher tout ça vous affiche les rails que vous n'utilisez pas donc par exemple moi j'ai des aiguillages ici euh, qui sont euh, c'est les aiguillages en béton en fait moi j'utilise que la partie traverse bois donc tout ce qui est en béton euh, ou tout ce qui est euh, rail de déraillage ou voilà que j'utilise pas, euh, je les ai retirés de l'affichage pour simplement avoir un, un, une boîte plus facile, parce que des fois j'utilise d'autres choses. Donc, si je veux commencer à tracer un réseau, bah c'est assez facile. Euh, je peux prendre un premier bout de rail, donc c'est du rail flexible, puisque dans la gamme Streamline, c'est ce que je vais utiliser. Donc, je place un morceau de rail, je zoome avec la molette et contrôle, et avec le bouton de droite de la souris, je peux. Déplacer ma zone écran, dézoomer, d'accord Et puis, si je veux revenir à un écran centré, il faut que je revienne euh, sur l'écran d'accueil et j'ai ce bouton Ajuster à la fenêtre qui me permet de revenir en, euh, en vue initiale, je dirais. Mais bon, voilà. Je place mes rails, donc mon rail est comme ça. Euh, je veux mettre une aiguille, une aiguille courte ou longue. Alors là, il faut lire les descriptions ou connaître les références, mais on finit par s'y retrouver puisque. Vous avez les aiguilles courtes en premier, les aiguilles moyennes en second, puis les aiguilles longues et enfin les aiguilles courbes. Donc là, je vais mettre une aiguille longue, hop, je la connecte. Vous voyez le petit point bleu quand je la connecte Voilà, regardez, il y a un point bleu qui apparaît qui m'indique que je suis en train de connecter mes rails. Donc si je veux faire un faisceau de triage, eh bien je prends mes rails, hop, je prends mes aiguillages. Je fais mes connexions et je commence à avoir un faisceau d'une d'entrée de gare, un grille de gare. Je reprends une voie, je mets une deuxième voie et ainsi de suite. Alors je peux aller les chercher dans, dans la boîte comme je le fais, dans la boîte de, de rail à gauche, mais je peux aussi faire du copier-coller. À la longue, on finit par le, le, le faire spontanément. Donc là, vous voyez, j'ai fait apparaître par magie un rail. Non, pas par magie, en fait. Je vais refaire la manipulation. J'ai cliqué sur celui-là, CTRL-C, copier, hein, le raccourci habituel de copier-coller, CTRL-V pour coller, et j'ai un rail qui apparaît là où se trouve mon pointeur de souris. Et donc je prends ce rail et ensuite je peux le coller. D'accord Donc on va construire comme ça, en jouant avec le zoom pour se placer un petit peu comme on veut, on va construire son faisceau de rail. Donc là, c'est assez basique, ça vous l'auriez trouvé assez spontanément euh, par vous-même. On prend les rails, on les connecte, on voit qu'il y a le petit point bleu. Et puis si on veut aller un peu plus loin. Par exemple, là, je suis devant un problème. Je veux mettre le dernier rail de mon faisceau d'aiguillage. D'accord Enfin de mon, de mon grille, de mon faisceau de, de, de voie, de, de triage, pardon. Ici, je sais que j'ai un anthrax de 52 mm parce que euh, j'ai mis des aiguilles longues, PECO en voie Donc ça me produit le même anthrax de 52 que si je les avais placés comme ceci. Alors, pour être très clair, attends, je vais vous demander, on va le tourner, hop, il y a une petite poignée pour tourner, je connecte. Voilà, quand je place les aiguilles PECO comme ceci, je vais zoomer, je vais placer des bouts de rail, qu'on se comprenne bien. Hop et hop. Ah vous voyez là, mon rail s'est posé. Vous voyez le rail, j'étais au bord de l'écran, au bord de la zone de travail, et le centre de mon rail dépassait. Donc il s'est posé, j'arrive plus à le bouger. Alors je peux le reprendre et le bouger, mais dès que j'arrive là, hop, il le repose. Je ne peux pas aller. C'est là où le fait d'avoir de la marche sur la gauche va me permettre de faire glisser ma feuille et de reprendre le contrôle. voyez c'est à ça que ça sert, d'avoir de la marge à gauche. Bon, donc là, je suis sur une configuration de rail PECO standard, avec deux aiguilles, quelle que soit leur taille, longue, moyenne ou, ou courte, placées tête bêche. Dans cette configuration-là, toute combinaison d'aiguilles PECO me donne un anthrax de 52 mm. Quand je suis comme ça, en voie déviée, et non pas en, en tête bêche, L'anthrax dépend de la longueur de l'aiguille, puisque c'est la longueur qui va m'écarter. Hein, L'écart entre ces deux voies-là va dépendre de la longueur de l'aiguille et pas de son, sa déviation. Donc il y a deux situations en usage des aiguillages pas tout à fait, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Là, j'ai mis une aiguille longue, je suis en voie déviée, j'ai un anthrax de 52 mm. En aiguille courte, je serai à je crois 42, en aiguille moyenne à 46. Dans le cadre d'une voie déviée. Donc si je veux mettre ma dernière voix ici, comme ça, je veux la placer. Je veux qu'elle soit à 52 mm de celle-ci, théoriquement. Mais bah, comment je fais si j'essaye de la brancher et va me la mettre comme ça Évidemment, il la met dans l'alignement de l'aiguille. Donc il a placé automatiquement ma voix en ligne droite. J'ai la possibilité de travailler la forme du rail puisque c'est un rail flexible. Donc je peux par exemple lui dire je veux faire ça. On va voir ces manipulations là un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et vous voyez que j'obtiens pas le résultat que je veux en fait. Il a tordu mon rail mais il a gardé l'orientation de sortie. Je peux modifier mon orientation, enfin voilà, je vais pouvoir faire tout un tas de choses mais à la fin ça me donne pas une géométrie parfaite, c'est très aléatoire ce que je suis en train de en fait, il y a des manières de faire, il faut tricher un petit peu sur ces questions-là pour obtenir le résultat. Je vous montre un truc très simple. Vous ne placez pas ce rail-là, vous placez une autre aiguille que vous allez retirer ensuite. Ça vous donne votre entraxe, exactement celui que vous voulez. Vous placez votre rail. Là, le rail, ici. Est exactement espacé comme il faut par rapport aux autres. On est d'accord Je vais donc maintenant retirer l'aiguille qui m'a servi uniquement à créer l'anthrax et accessoirement j'ai le même rayon de courbure sur la partie correspondant à l'aiguille que ce que j'ai sur les autres voies. Et j'ai la même géométrie. Donc je retire mon aiguille, je ne touche plus à mon rail, je prends une autre rail flexible que je viens connecter à mon rail qui est déjà en place, comme ceci. Donc là, je suis connecté, j'ai le petit point blanc qui m'indique que c'est connecté. Je vais prendre l'extrémité à gauche du rail que je viens de placer, je l'amène et je la connecte sur mon aiguille précédente. J'obtiens donc un calcul automatique de rail qui est complètement bidon. Et ensuite, bouton droite, je clique sur le segment de rail qui n'est pas bon et je fais lisser flex. Et voilà ce que j'obtiens. Et en fait, vous obtenez la courbure parfaite, très exactement identique à celle de l'aiguille, en fait, peut-être même un petit peu meilleure parce que l'aiguille, elle a des zones droites et des zones courbes. Et vous avez terminé votre faisceau de gare, hein, de triage, de, de ce que vous voulez, avec toutes vos aiguilles. Vous voyez, c'est une manière de faire. Une autre manière aurait été de couper un bout de rail et de faire. Mais à la fin, on fait, on, on finit, on finit toujours par faire ce genre de tricherie avec AnyRay. Euh, voilà. Alors ça, c'est une première manière. Je vois dans, dans le chat des gens qui disent il y a une autre manière pour ajouter une flex par euh, un autre bout de rail. Oui, c'est tout à fait exact et on va l'utiliser régulièrement. Donc refaisons la manip. Je veux créer ma dernière ligne ici. Et je veux un anthrax bien particulier. Un me permet de le faire. Donc je vais lui dire, bouton droite, je, sais, je clique sur le, le flex, le rail flexible qui m'intéresse. Donc dans la terminologie enirail, il utilisera le terme flex. Et je fais ajouter flex parallèle. Et là, j'ai un menu qui me demande où je veux ajouter et à quelle distance le rail. Donc là, je veux placer un rail au-dessus. Et je veux qu'il soit à 5.2. Attention, un point décimal. 5.2 pour avoir mon entraxe de 52 mm. Les unités ici sont en centimètres. D'accord Je valide. Et j'ai mon rail qui est placé effectivement à 5.2 cm, 52 mm. Donc j'obtiens presque le même résultat. Presque le même résultat. Pourquoi presque Parce que là, je n'ai pas la même distance. Que celle de mon aiguille c'est à dire que j'ai bien la partie droite qui est placée parallèle à ma, ma première voie mais je dois encore faire le raccordement alors si je fais ça je fais un raccordement mais regardez il m'a déformé mon flex pour faire une sorte de raccordement parabolique c'est pas du tout ce que je veux donc je vais faire annuler ctrl z deux fois parce que j'ai fait deux modifs dans sa tête. Voilà, je reviens en arrière. Alors je peux évidemment faire dans le menu. Il doit y avoir un menu quelque part pour faire annuler. Ouais, c'est les touches ici, vous voyez, annuler, refaire, hein, en haut à gauche. Je ne sais pas si vous voyez les icônes sur le... Voilà. Euh, bon, c'est pas ce que je veux en fait. Je ne veux pas qu'il me déforme mon flex pour faire le raccordement. Je veux un raccordement qui soit propre et que mon flex reste droit. Donc l'autre solution va consister à dire il bah, y a une partie droite sur mon boudrail, et puis il y a une partie courbe, qui, elle, doit faire le raccordement. Donc pour que ça marche, il faut que je coupe mon flex en deux. Alors, dans la réalité, on ne le coupera pas en deux. On gardera probablement la voix en un seul morceau. Mais lorsqu'on va le schématiser avec Anyrail, on va devoir le couper en deux. Donc je vais me placer à un endroit qui me paraît approprié, et là vous, vous entendez ce que je viens de dire, qui me paraît approprié. C'est-à-dire que je dois lui dire où il doit couper le flex. Et il n'y a rien qui me le dit comme ça. Donc je vois que mon aiguille, où je sais qu'elle fait 25 mm de long parce que c'est une aiguille longue, donc je compte mes petits carreaux, là, 1, 2, 3, 4, 5, ma coupure doit être à peu près ici. Parce que la longueur de mon aiguille, c'est à peu près 25 mm, euh, cm. Donc je vais me placer sur mon flex à 25 cm de son début. Je vais faire bouton de droite. Couper flex ici. Vous voyez, il y a un petit point blanc qui est apparu. Mon flex est en deux morceaux. Cette section-là, je n'y touche pas. Et je vais uniquement raccorder le petit morceau. Je le lisse sur. Et j'obtiens à peu près le même résultat. Mais ça n'est pas exactement le même résultat. Vous notez la différence. donc il y a deux manières de faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire de créer un faisceau de garage, euh, un faisceau de voies parallèle. La première euh, enfin il y en a trois en fait. La première c'est d'essayer de faire ça de manière empirique en plaçant les rails et tout n'est pas du tout précis, c'est probablement pas ce que vous voulez faire. La deuxième c'est de dire je pose un flex parallèle puis je le coupe et je fais un raccordement mais dans ce cas-là votre raccordement dépend du point de coupe, c'est-à-dire que si je reviens en arrière sur mon voilà avant mon point de coupe, j'ai fait Ctrl Z plusieurs fois pour revenir en arrière et que je fais mon point de coupe à 15 cm au lieu de le faire à 25, et eh bien vous voyez bien que même en lissant, j'obtiens une courbe et contre-courbe d'ailleurs, vous hein, euh, voyez le, le c'est pas très propre, bah oui parce que mon point de coupe il est trop près. Donc, en fait, quand je fais avec la méthode de la création d'un flex parallèle sur ce cas-là, je suis beaucoup moins précis et moins rigoureux que si j'utilise le principe que je vous ai montré tout à l'heure, qui est selon moi nettement meilleur et parfaitement en plus reproductible, qui consiste à dire je prends l'aiguille, je mets ma voix, je retire l'aiguille, je vais faire une autre section de rail, je connecte, je lisse. Et là j'ai un raccordement qui est parfait et dont la géométrie est très exactement celle de l'aiguille. Voyez la manière de faire, ça va dépendre un petit peu de l'objectif qu'on qu cherche à atteindre. Et euh, le tout anyrail, ça va être ça. C'est-à-dire quand vous vous êtes retrouvé pour ceux qui l'ont déjà essayé devant Anyrail, en fait l'outil permet de faire beaucoup de choses très vite. Mais il va falloir construire avec le temps un certain nombre de stratégies pour pouvoir faire un travail précis. Vous pouvez facilement construire à peu près n'importe quoi avec IniRail et probablement avec d'autres logiciels. Mais toute la question qui se pose, c'est comment je fais si je veux être précis pour que mon tracé de voie, à la fin, quand je vais l'imprimer, par exemple, et euh, le mettre sur papier et le mettre sur ma planche de bois, le retracer sur mon styrodur, dur, qui soit correct, que j'ai pas des erreurs, que j'ai pas des anthraxes qui soient pas bons, des rayons de courbure qui soient pas bons, et voilà, ce genre de choses. D'accord, alors je vois dans, le, dans, le, dans les réponses, euh, Gianno Zanka. Gianno Zanka, bonsoir. Tout utiliser les rayons 610, 914. Oui, ça c'est pour les pour les rayons de courbure. Euh, c'est les rayons équivalents. Attention, euh, les rayons de courbure ne correspondent pas. C'est les rayons de courbure de la partie courbe de l'aiguille, mais une aiguille contient des parties droites. Donc, si vous faites un segment de courbe qui correspond au rayon de courbure, vous n'avez pas la géométrie exacte de l'aiguille. Vous avez le rayon de courbure équivalent, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Bon. Euh, C'est on pinaille, hein, on est sur des, le, voilà, on est sur, sur des points de, de détail, mais des fois les points de détail à la fin ça peut faire qu'un assemblage fonctionne ou fonctionne pas. D'accord Alors, la manipulation des nirail, si je fais du PECO code 75, mais ce serait vrai, avec à peu près n'importe quelle gamme de rails où j'utilise du rail flexible. Ça va être essentiellement ça. C'est-à-dire, Vous avez les appareils de, de voix de la gamme du constructeur qui vous sont fournis à gauche. Vous choisissez la gamme qui vous intéresse. On va y revenir, je vais préciser quelques points. Vous posez vos appareils de voix pour tracer votre schéma. Et puis, vous raccordez tout ça par du flex. Raccorder le flex et manipuler le flex. Et comme ça vient d'être dit dans le chat à juste titre savoir-faire, des duplications, flex parallèles, raccords paraboliques, et ainsi de suite. C'est là que se situe l'essentielle difficulté de AnyRail, pour la partie de la voie. Ensuite, il y a tout un tas d'options sur le cantonnement, la mise en place des clisses isolantes, enfin, des options un peu avancées, qu on, qu on, dont on va peut-être pas parler aujourd'hui, mais qui, qui peuvent être intéressantes. Ce n'est pas essentiel pour concevoir un réseau, c'est quand on veut aller un peu plus loin. Et puis, il y a toute la partie infrastructure de table, géométrie, dont on va parler euh, tout de suite là je vais laisser un petit peu tomber la, la partie rail on va y revenir après assurez- vous mais je vais d'abord vous, vous présenter l'autre grand volant qui est la partie surface qui va nous permettre de voir notre réseau euh, dans, dans un univers qui nous correspond alors d'ailleurs pourquoi je dis voir dans un univers qui nous correspond j'ai fait un réseau là enfin, un réseau qui est naïf euh, mais est- ce que je peux l'afficher bah oui, je peux tout de suite basculer en vue 3D, donc je vais cliquer sur l'icône affichage 3D. Hop, je bascule. Vous voyez que j'ai un plan tout vert qui correspond en fait à la surface de ma feuille de travail, puisque je n'ai pas donné de surface, je n'ai pas donné de, de, de zone où j'ai dit ça c'est du meuble, ça. non, j'ai donné une surface de travail globale. Donc Eniray dit, bah, puisque ta surface de travail n'est pas spécialement euh, précisée, je considère toute ta surface de travail comme étant de la pelouse, <laughs> du verre, et j'y installe tes rails. D'accord Donc on peut zoomer, on voit les rails qui sont là. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont rouge-marron Pourquoi est-ce que c'est. Ben, en haut, vous avez tout un tas de, de contrôles qui vous permettent de euh, dire est-ce que je veux déjà afficher ou pas la terre Vous voyez, j'ai des cases à cocher pour afficher le sol, les tunnels, le machin. Est-ce que je veux un pas de ciel, un ciel bleu alors ça peut donner des résultats bizarres, hein, euh, ou un ciel nuageux. Euh, voilà, je peux demander un ciel nuageux. Bon, moi, euh, pas de ciel, ça me va bien. Euh, la Terre, ça peut être intéressant, mais vous avez aussi des couleurs et la possibilité de choisir d'afficher des textures. Donc là, par exemple, si je veux euh, changer pour mon ballast, euh, je peux demander à mettre des textures pour à peu près tous mes éléments, et j'ai des choix de textures qui me permettent d'avoir un rendu... Je vais dire différent, parce que si vous regardez le rendu texturé que ça donne euh, en gros plan, vous comprenez bien que euh, ce n'est pas un jeu vidéo. Hein. C'est vraiment le minimum syndical du minimum syndical. Euh, euh, ça correspond à avoir mis un autocollant euh, sur un, un trackbed Woodland Scenic et y avoir dessiné des rails. C'est très symbolique. On n'est pas dans un logiciel artistique. On est dans un logiciel qui sert à modéliser un réseau. Donc fondamentalement, ces options-là, c'est un peu du gadget. En tout cas, moi, je trouve, je préfère euh, rester sur une vue symbolique. Euh, éventuellement, je ne mets pas la Terre, vous voyez, ça me donne mes voix. Bon, après, vous pouvez choisir des couleurs différentes. Mais j'ai bien mon réseau. J'ai bien mon réseau, j'ai bien mes deux faisceaux. Je peux naviguer autour. Euh, voilà, et commencer à avoir une idée de ce, de ce qui se passe. Par contre, j'aimerais bien... Que ce réseau, il soit implanté sur un meuble, euh, Je vais répondre à ta question, Tom, Tom Go, tout de suite. Donc, je vais repasser en, en, avant de passer sur la sur la, la modélisation des meubles. Euh, une précision qui est, qui est, qui est importante. Est-ce qu'on fait des erreurs tu, tu demandes si... Est-ce que le logiciel peut aider si on essaye de raccorder des rails qui ne sont pas coordonnés en fait Typiquement, j'essaye de raccorder du code 75 avec du code 100 et ainsi de suite. Ben, on va faire le test. Donc je vais prendre un répertoire de rails. Je vais demander à prendre du PECO code 100. Donc j'ai une deuxième bibliothèque de rails. Vous voyez qui est, qui est apparu. Donc là, j'ai ma, ma bibliothèque en code 75 qui se trouve ici. J'ai ma bibliothèque en code 100 qui se trouve ici. Alors comment je le sais ben, Je vais afficher en plus grand. Vous voyez, je peux redimensionner. Et je peux déplacer aussi les blocs hein, pour les... Pour qu'ils prennent moins de place, donc voilà, je vais le mettre en dessous. Je vais le gestionnaire de couches, je vais le mettre en haut pour pas trop prendre de place. Et donc vous voyez ici j'ai le code 100 et ici j'ai le code 75. Donc mon schéma il a été fait en code 75 jusque maintenant. Est-ce que je peux raccro raccrocher un riflex code 100 Voilà, et c'est le 100 à du code 75. Alors là tu vois euh, Tom Tom, j'ai le droit de le faire. Il me laisse le faire. D'accord Pourquoi Parce que je lui ai demandé de me laisser le faire. Donc, je vais retirer ce rail qui est en code 100. Je vais aller voir dans Paramètres. Et vous voyez la case ici, Rail Mix Permis. Comme dit diano Zanka, dans les paramètres, ici, tu vois Rail Mix Permis. Si je décoche Rail Mix Permis et la case n'est pas cochée par défaut, la case n'est pas cochée lorsque vous installez le logiciel. Si maintenant, j'essaye de connecter un rail code 100, un rail en code 75, tu vois qu'il ne me propose plus la connexion avec le point bleu. Je ne peux pas mélanger du code 75 et du code 100 si je ne demande pas explicitement à le faire. Et ce sera vrai avec n'importe quel type de rail. Donc il sait quels sont les rails qui sont compatibles entre eux lorsqu'il y a des compatibilités. Et il n'autorise le mixte que si toi, tu lui dis que tu veux faire du mixte. Donc moi, je recoche la case rail mixte permis. Hop. Et j'ai le droit de le faire. Mais ça, c'est une option que tu dois activer parce qu'effectivement, elle peut t'amener à faire des erreurs de conception de ton schéma. Donc, si on travaille, par exemple, prenons le, le, le réseau de Gabriel le réseau contient du code 100 dans les parties cachées, qui est le réseau, une partie réseau historique, et du réseau en code 75 sur les parties visibles de, de, de Wissenheim ou l'extension. Il euh, y a des rails adaptateurs à mettre pour passer du code 75 au code 100 euh, à certains endroits. Mais euh, bah, si on modélise ça sous AnyRail, e les rails adaptateurs, je ne sais pas si on les a dans, le, dans la bibliothèque, euh, je ne crois pas, qu'il y ait les rails adaptateurs dans les bibliothèques de rails proposées. Il faudra penser à les mettre il faudra penser à les mettre, à les acheter. Mais par défaut, lui, il, il autorise la mise en place de, de connexions mixtes. Et ça veut dire aussi qu'on aura la même problématique si on veut mélanger par exemple des aiguilles ce qui est aussi le cas sur Wissenheim. Là, j'ai utilisé des aiguilles PECO Streamline Code 75, donc il n'y a pas de souci, ça marche. Si je veux mettre des, aiguilles, des vieilles aiguilles dans mes gares cachées, euh, dont certaines pour avoir des géométries un peu plus raides, par exemple, dans, dans la rampe hélicoïdale, Gabriel, je parle sous ton contrôle, dans la rampe hélicoïdale sud, vous avez des aiguilles courbes qui servent à faire le raccordement d'une des voies, je crois que c'est la sortie de la, de la gare cachée, je crois, ou de la voie une des voies d'évasion. Qui ne sont, sont pas des aiguilles PECO. Ce sont des aiguilles avec un, un rayon. Ça doit être des aiguilles ROCO, c'est ça, Gabriel euh, Et donc, euh, bah pour les connecter du code 75 PECO qui constitue la, la rampe hélicoïdale, bah il faut mettre des adaptations, bricoler un peu. Et pour faire ça dans IRL, c'est possible, mais il faut lui dire autorise les rails mixtes. OK Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions Bonjour, la Louve euh, voilà, pas pour le moment. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce que je viens de montrer. Hein. Mais on est là ce soir. Je n'ai pas d'idée de combien de personnes. 40. Moi, je vois 40. Bonsoir à tous ceux que j'ai n'ai pas vus. Bon, on va continuer. Alors, je retire pour l'instant le gestionnaire de couches. On verra ça tout à l'heure. Euh, je reviens avec mon répertoire de rails en code 115 que je vais réduire pour qu'il ne prenne pas autant de place. Voilà, et je reviens sur mon schéma, et je vais repartir d'un schéma vierge. Je vais tout effacer, donc j'ai tout sélectionné, j'ai fait supr sur le clavier pour tout sélectionner, tout effacer. Et on va repartir dans une démarche cette fois-ci où on va poser. Euh, merci Gabriel pour ta précision. Voilà, aiguille Roco en code 83 en raccord avec l'extension au niveau 4 pour Wissenheim. On va poser des surfaces. Alors. Dans un cas plus normal, donc vous faites un réseau, vous avez par exemple des modules maquettis. Alors maquettis, ça va nous obliger. Enfin, moi je triche un petit peu avec les modules maquettis. Euh, vous allez comprendre pourquoi. Je veux placer des surfaces, des meubles qui représentent ma surface de travail. Je vais faire pour ça, dans le menu insérer ici, ajouter surface. Alors je peux ajouter des lignes, des surfaces, des rectangles ou des cercles. Après, il y a la possibilité de mettre du texte aussi ou de poser des règles, des, des unités de mesure. Euh, moi, je prends des surfaces. Une surface, c'est quoi C'est une succession de points qui permet de définir bah, une aire, une aire, une surface. Et on m'a posé la question tout à l'heure euh, dans le Slack, je crois, comment on fait des surfaces creuses. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout, mais c'est effectivement pas intuitif. Si vous demandez à ajouter des rectangles, bizarrement, vous ajoutez des rectangles. D'accord Alors, j'utilise quasiment que l'ajout de surface. Donc, si je veux faire un module maquettis standard, les modules maquettis standard font 118 par 59. Le choix de cette dimension-là revient à Thierry. C'est pour des questions, je crois, de, de transport et de compatibilité avec les palettes. Mais ça me casse un peu les pieds parce que 118 par 59, c'est pas un multiple d'unités euh, facile. Donc, je vais les dessiner avec une taille de 120 par 60. C'est-à-dire, je triche. Je considère que j'ai 1 cm de plus dans la profondeur et 2 dans la largeur. Ce qui veut dire que mon schéma ne sera pas totalement exact. Mais ça s'ajuste assez facilement au moment de la mise en œuvre, en réduisant un peu les longueurs de voie. Donc je vais faire des modules, je clique sur ajouter surface, je viens sur ma surface de travail, alors je vais zoomer hein, pour pouvoir avoir accès facilement au coin à gauche ici, voilà, je veux démarrer à... Dans le coin de ma pièce, alors le coin de ma pièce, je vous ai dit tout à l'heure, je le mets à 1 mètre 1 mètre en X et en Y pour avoir de la place sur le bord. Je vais cliquer avec la souris. Alors il l'a pas pris, hop, je recommence donc je viens ici 100 100. Je me mets à peu près sur le quadrillage, je clique et j'ai un premier point. Et comme j'ai la grille d'activer, mon point est placé précisément à 100 100. Il l'a mis sur l'intersection des unités de la grille. Et vous voyez que j'ai une petite ligne qui me suit maintenant. Ben, C'est le premier trait que je vais tracer. Donc, je vais descendre sur la gauche ici. Vous voyez, j'ai mes curseurs qui me suivent. Donc, comme mon module fait 60 de profondeur, si je veux le placer à l'horizontale, je vais descendre à 160. Je clique à l'intersection à peu près. Hop, j'ai mon deuxième point qui est placé. Et puis, ben, je vais tirer ma surface. Cette fois-ci, dans l'autre sens, jusqu'à 220, puisque je fais des modules de 60 par 120, et que je suis décalé d'un mètre. Vous voyez pourquoi un mètre hein, Vous avez compris, c'est pour avoir des calculs faciles. Donc, je viens jusqu'à 220, hop, je clique, j'ai placé mon troisième point, et puis je termine mon rectangle ici, 220 par 100, et là, je double-clique. Voilà, et ma surface est terminée. Si je zoome, vous voyez qu'elle est parfaitement alignée. Et vous voyez aussi pourquoi c'est intéressant d'avoir de la marge à gauche. Parce que ça me permet de me mettre facilement autour. Sinon, elle serait calée comme ça. Hein? Je n'aurais pas la possibilité de, la, de venir la mettre au milieu. Et par exemple, de dire bah, ce point-là n'est pas placé au bon endroit. Je veux corriger. Alors, vous voyez, hop, je vous montre comment ça marche avec la grille. Là, j'ai une grille de 5 cm. Donc, ma précision, c'est 5 cm. Pour déplacer un point de ma surface, Hop, je me contente venir, jouer avec les poignées, les petits ronds qui s'affichent et je peux déplacer ma surface. OK J'ai tracé une surface. Donc si je place un aiguillage sur ma surface, j'ai une table. Normalement, hein. Alors on fait le test, on va regarder. Je passe en vue 3D. Hop, et vous voyez que j'ai pas de table. J'ai toujours toute ma surface, tout mon schéma qui est considéré comme ma surface de travail. D'accord Je n'ai pas fini. Je n'ai pas créé une table. J'ai créé une surface. Une surface, c'est tout et n'importe quoi pour AnyRay. D'accord Ça a n'importe quelle forme et ça sert à n'importe quoi. Si on veut que cette surface soit considérée comme le dessus de la table, le meuble, il faut lui dire. Donc, il suffit de cliquer sur la surface, la sélectionner. Vous voyez, là, si je suis à côté, elle n'est pas sélectionnée. Donc, les menus en haut m'affichent les menus de base. Quand je clique sur la surface. Tout a changé. Je suis dans outils surface. Et là, j'ai des cases à cocher. Très intéressantes. En particulier celle-ci. Dessus de table. Je clique sur dessus de table. Et je vais cliquer aussi, mais ça c'est un choix personnel, sur arrière-plan. Mais je vais le faire en deux temps, pour vous montrer la différence. J'ai cliqué sur dessus de table. Donc maintenant, AnyRail sait que cette surface-là est un dessus de table. Donc maintenant, si je demande à afficher... Mon schéma en 3D, il ne doit plus considérer ma feuille complète comme ma surface. On vérifie, je clique et regardez, effectivement, maintenant qu'il a un dessus de table d'identifié, il me dit bah, Je n'affiche en dessus de table que les surfaces qui ont été identifiées en dessus de table. Donc je n'ai plus toute ma page, Vous Voyez, j'ai juste le petit rectangle que j'ai sélectionné. Je reviens, donc ça c'est une table. Si je prends cette table, qui Est un module maquettis à 2 cm près et que je la copie-colle. Alors je peux le faire à la souris, copier-coller. Je clique dessus, alors il faut cliquer sur les bordures. Vous voyez, copier, couper, coller. Donc je peux faire copier, je clique ensuite à côté, bouton de droite, coller et j'ai dupliqué ma surface. Maintenant je viens la placer ici. Vous voyez qu'elle a légèrement bougé au moment où je l'ai lâché. On va le refaire puisqu'il y a le magnétisme de la grille. Hop, vous voyez, elle se cale sur l'unité la plus proche. J'ai donc maintenant deux tables. On vérifie, affichage 3D, j'ai bien mes deux tables. Alors pourquoi dans l'autre sens ben Parce que euh, il suffit que je, voilà, je tourne ma vue. Ça, ça dépend de la vue dans laquelle je suis hein, euh, et dans laquelle j'étais resté tout à l'heure. Donc voilà, ma vue elle est comme ça. Je retourne en mode création. Donc j'ai deux tables. Je vais pouvoir, comme ça, en faisant du copier-coller, eh ben, placer mes tables les unes à côté des autres, et puis voilà, ma, ma pièce de 4 mètres, euh, alors là j'en ai mis une de trop, hein, euh, puisque j'ai mis 4 tables, et dans une pièce de 4 mètres, bah, ça fait déjà 4 mètres 80, donc ça rentre pas, puisque je ne dois pas aller au-delà de 5 mètres. Hein, ma pièce fait 4 mètres par 3. Donc voilà, j'ai mis mes 3 tables, je ne peux pas en mettre plus. Bon, j'ai ma surface, mais vous noterez aussi autre chose. La première chose, c'est que les traits ici sont pas faciles à distinguer. Moi j'aime bien voir les meubles, euh, les, les surfaces et les limites des meubles de manière un peu plus franche. Donc je ne vais pas faire ça en fait. D'ailleurs pour simplifier, je vais les supprimer. Je vais garder uniquement ma première surface et avant de la copier-coller, je vais changer ses caractéristiques. La première chose que je vais faire, c'est de dire que je veux une largeur de ligne, non pas de 1, 0,1 pixel, 0,1 mm, mais de 1. Et vous voyez tout de suite. J'ai multiplié par 10 l'épaisseur du trait, ce qui me facilite le fait de cliquer dessus. C'est beaucoup plus simple. Et puis accessoirement, si je dézoome, je vois bien la surface, la, la limite des meubles. D'accord Ça c'est un choix vraiment personnel. Vous pouvez choisir ici la couleur de la ligne. Alors moi noir ça me va bien. En général par contre j'aime bien que mes meubles aient une couleur euh, pas grise, mais plutôt ce vert-là. Voilà. Je, souvent je mets un vert, alors c'est peut-être un peu vif. Vous pouvez choisir la couleur de... de voilà, c'est la surface de vos meubles. Vous pouvez mettre du marron si vous voulez, de l'ébénisterie. Mais bon, moi j'utilise souvent cette couleur là pour distinguer les parties entre guillemets herbeuses d'autres parties un peu plus mécaniques. Typiquement, je place en gris les étagères, les, les passerelles de, 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 amovibles, quand, ou les sections de mur, quand je représente des sections de mur. Et en vert, ce sont les meubles, les meubles support du train. C'est un choix de, 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 de graphisme, hein, ça n'engage que moi. Par contre, il y a un autre truc qui est essentiel. Essentiel. Là, jusque maintenant, c'était de l'aspect graphique, plus par convic. Convi euh, euh, comment Ça me correspond mieux, quoi. Je cherche un mot. Par contre, il y a un truc qui nous manque en ayant placé cette surface. On ne voit plus le quadrillage. On ne voit plus le quadrillage. Donc, comment je fais si je dois aligner mes rails alors que j'ai plus accès au quadrillage Je ne sais plus ce que je fais. Eh bien, il suffit de demander à Nireille de placer la surface en arrière-plan du quadrillage. La deuxième petite case dont je vous ai parlé tout à l'heure très vite, mais sans vous dire pourquoi j'allais la coucher. Et voilà, vous constatez tout de suite que là, ça fait tout de suite la différence. J'ai toujours la vision de mon meuble. Je peux néanmoins totalement accéder à mon quadrillage et venir, par exemple, dire bah ma voie principale. Alors regardez, on va faire un truc. On va prendre un flex et imaginons qu'on veuille placer cette voie à peu près là où elle serait si on respecte les conventions des modules euh, fédération de modélisme. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu l'explication, les modules de fédération normalement fédéraux, on est à une voie qui se trouve à peu près à 9 cm de la façade. Donc, si je m'aligne ici, je place l'axe de ma voie, vous voyez qui est matérialisé par cette petite flèche là, je peux zoomer. C'est très pratique de pouvoir zoomer et d'avoir de la marge. <laughs> Au développeur des écoutez-moi, permettez-nous d'aller à gauche chercher de la marge. Si j'aligne mon rail ici, précisément, je suis exactement à 10 cm du bord. Donc pas à 9. Vous d'accord 6, puisque ma grille est de 10. Oui, mais mon module, il fait 1 cm de trop. Donc en fait, comme il fait. 60 dans mon plan, mais que dans la vraie vie, il n'en fera que 59. Ben, si j'enlève un centimètre sur l'avant, eh bien j'ai mon point de connexion fédération modélisme. J'ai triché. Alors, si je veux être à 98, c'est 98, Gabriel précise, ben 98 mm ou 100 mm, c'est pareil. Hein, 2 mm près pour une schématisation à conception de projet, ça marche. Et dans ce cas-là, j'enlèverai mon centimètre à l'arrière. Ça revient un peu au même. De toute façon, mon, mon module, une fois que j'aurai mis les 98 cm, les pardon, 59 cm du module lui-même plus le fond de décor qui viendra se fixer par l'arrière, j'aurai bien 60 cm d'encombrement. Et donc finalement, tout ça est cohérent. Cohérent, même si ce n'est pas tout à fait rigoureux euh, dans, dans la vraie vie. Donc là, j'ai créé mon premier module, je lui ai placé un bout de rail, et bien je vais maintenant que je l'ai placé comme il faut et que je lui ai donné les bonnes caractéristiques, je vais copier-coller. J'ai donc mes trois modules, j'ai ma table, j'ai mon boudrail, tout va bien, je passe en vue 3D et j'ai bien ma table de roulement avec ses bonnes dimensions, avec mon boudrail qui est aligné là où je veux, je peux tourner autour et commencer à faire la conception de mon projet. Vous voyez, je fais... Je, 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 je différencie... Enfin, je, je prends le temps de faire une première surface avec les bons paramètres. Donc je lui ai donné... La couleur qui m'intéressait, l'épaisseur de ligne, je lui ai dit que c'était dessus de table arrière-plan, puis après je la copie-colle. Alors après, vous avez tout un tas de petites options. Par exemple, vous pouvez dire je veux des coins arrondis. Je, je, je peux avoir des coins courbes, auquel cas il fait une sorte de parabolique. Hein. Puis il faut, faut découcher, décocher les choses après pour, pour revenir en arrière. Ou coins normaux. Voilà. Bon, ça, ça peut être utile pour certaines. Euh, certaines situations. Vous avez besoin de faire une table avec des coins arrondis et vous avez des, des options. Vous pouvez demander des pointes arrondies. Alors ça, je ne sais plus. Contour de hauteur, je ne sais plus non plus. Il faudrait que je regarde. Mais vous avez tout un tas d'options graphiques ici pour améliorer le, le, le résultat de ce que vous voulez. Ça, c'est sur des surfaces rectangulaires. Mais on, des fois on ne fait pas que du rectangulaire, puisque on fait du module maquetis là dans cet exemple. Alors je vais imaginer que je veux des modules à 45 degrés. D'accord Donc j'ai besoin de dessiner les modules à 45 degrés de Macetis. Ben, je vais prendre mon outil de surface, je vais faire insérer une surface. Et imaginons que je veuille faire un module ici à droite. Alors je vais me décaler d'abord avant de faire mon truc. Voilà, je vais faire un décalage. Et je vais donc dire je veux faire une surface. Je vais zoomer et je veux démarrer exactement au même endroit. Donc je clique ici. J'ai aussi la possibilité avec la touche CTRL de demander à Any Rail où il va placer le point. C'est-à-dire de rechercher des intersections. Vous voyez le point bleu là quand je me déplace Ça c'est parce que j'ai la touche CTRL d'appuyer. Si j'enlève CTRL, quand je passe au-dessus de la ligne, il ne se passe rien. Quand je mets contrôle et que je m'approche de la ligne, il me dit le point, je vais l'aligner avec la ligne. l'aligner avec la ligne. Très fort. En fait, il m'indique que je suis sur une autre surface et qu'il va la lier. De sorte que euh, je puisse être exactement sur le même endroit. Alors, quand vous avez la grille et le magnétisme gris, ça vous amène en général à être soit sur les arêtes, et c'est ce que vous voulez, soit carrément sur les angles, ce qui est là ce que je veux aussi. Mais quand vous avez des surfaces. Biscornu, avec des points qui se baladent dans la nature, que vous n'avez pas mis sur la grille volontairement, le contrôle vous permet de superposer les surfaces très précisément, ce que vous ne pouvez pas faire quasiment euh, si, si vous le faites à la main. Donc là, je veux créer mon, mon, mon module d'angle, donc je fais contrôle, je place ma deuxième surface, mon, mon deuxième point, et puis ben, le module de maquettis, je sais en fait qu'il fait euh, la moitié d'un angle. La moitié, c'est un module à 45 degrés, d'accord Donc il commence sur le côté ici, il vient ici faire euh, la moitié de l'angle à 90 qui permet de faire le, la, la rotation dans la pièce, et je sais qu'ils ont la même taille quand ils sont mis bout à bout, quand j'en mets deux bout à bout, j'ai la même dimension, euh, c'est-à-dire que je vais avoir du 59 par 118 euh, occupé un carré de 118 de côté, d'accord Donc, mon module va utiliser une pente ici qui est à 45 degrés. Donc, en m'alignant avec le quadrillage zoomé pour bien voir mes carreaux, euh, pardon, pas 45 degrés, le module fait un angle de 45 degrés, donc la pente ici, voilà, c'est du 60, mais je sais que... Ah, excusez-moi, je suis en train de faire une bêtise. On recommence. Donc je commence d'ici, je viens me mettre ici, et voilà, mon module fait la moitié de mon virage et il suit donc un angle ici, comme ceci. Il faut prendre les côtes simplement. C'est pas grave si c'est pas... Je me gourde boutons, c'est pour ça que ça ne marche pas. Je fais avec le bouton droite au lieu de le faire avec le bouton de gauche. Si mon module est mal tracé, c'est pas grave, je vais le corriger après. Donc voilà, hop, je mets un point là. Je vais mettre un point un peu au hasard. Voilà, je termine. Alors ça, ça devrait être mon module. Il n'est pas bon. D'accord Il n'est pas bon parce qu'il n'a pas les bonnes dimensions. En fait, je n'ai pas pris de repère pour savoir si j'étais à la bonne dimension ou pas. En fait, comment je sais que je suis à la bonne dimension ben, En fait, le module s'inscrit dans un carré de... Euh, de 118 de côté, 120 dans ma modélisation. Donc, si je trace le deuxième côté, je vais m'y retrouver. Mais pour ça, il faut que je trace les deux côtés en même temps. Donc, je vais prendre une autre surface. En fait, je vais prendre le, le module qui suit. Voilà. Je le colle. Et celui-là, je vais le placer en le faisant pivoter à 90 degrés. Donc, bouton de droite, pivoter, hop, 90 degrés. Ça c'est pour avoir un pivot classique. Et je vais l'aligner là où il doit être, c'est-à-dire en haut ici à 5,80 mètres. Mon module, mon angle s'inscrit dans un carré de 120 de côté. Donc comme je suis à 460 ici, le carré vient jusqu'à 5,80 Et de la même manière, je suis à 100 ici à gauche. Donc le carré vient jusqu'à 220. Donc si je descends ce point-là, pardon. À aux coordonnées 580 et 220, qui est hop, ici. Voilà. Mon module est bien aligné. D'accord Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est les deux zones qui doivent être identiques. Alors, soit vous prenez les cotes, soit vous faites comme moi, vous faites un peu de géométrie, et vous dites ben voilà, ces deux angles. Voilà. Donc, en fait, il vient ici, le module, celui-là. Le premier est bon. Vous allez voir. Si je ne me suis pas gouré bouton de droite pivoté de 30 plus 10 plus 5 égale 45 degrés regardez et eh ben j'ai pas tout à fait bon et voilà mon truc il n'est pas exact donc il devrait être comme ça cet angle là j'ai créé un point trop alors là, c'est le point un petit peu compliqué, vous voyez. Dans si vous déplacez vos surfaces, alors j'ai un point en trop ici, bouton droite, supprimer le point, hop, voilà. Donc ma jonction ne se trouve pas ici, ma jonction, elle se trouve, mon angle, il doit être à 30 degrés, voilà. Donc je dois être là, où il est. Ici, voilà, maintenant, c'est ici qu'il doit se trouver. Ça, ça doit venir là. Bon, il faudrait que je prenne les cotes là pour le coup, parce que je suis en train de bricoler un truc. C'est pas très sérieux, mais vous avez compris l'idée. Euh, c'est alors vous voyez là, le point, il n'est pas accessible. Je ne peux pas aller le chercher. Hein. Donc, euh, une manière pour aller chercher, ben, c'est d'avancer la surface et le bouton ici avancer, reculer. Ça me permet d'ordonner les, les affichages des surfaces j'ai toujours un point en trop on avait mis un tout à l'heure. Voilà je suis pas bon. ça doit pas être tout à fait exact. Je pense que le point de jonction il est plus un carré à gauche. Combien j'ai là? 1, 2, 3, 4? Non, c'est bon. Là c'est bon. J'ai la bonne géométrie. Je pense. faudrait vérifier hein bon euh, je suis à 30, je suis à 30 ici, j'ai bien mon angle à 45 degrés qui se retrouve ici. Voilà, donc j'ai fait mes deux surfaces, je vais les sélectionner, je vais les mettre en dessus de table en arrière-plan, je vais leur donner la couleur de remplissage qui m'intéresse, je vais leur mettre une épaisseur de ligne de 1, vous voyez, couleur de ligne 1, là je ne l'ai pas fait au début, donc je suis obligé de le faire après. Voilà, j'ai mon retour d'angle. Ah vous voyez, là c'est du bricolage. C'est du bricolage, mais encore une fois, vous pouvez faire, ça ne m'a pas l'air tout à fait exact. Euh, ça ne l'est pas, il doit y avoir un truc qui va pas. Mais l'idée c'est ça vous prenez les cotes, vous prenez les angles, vous faites le tracé de vos surfaces et vous obtenez le, le résultat qui convient. Et puis ensuite, vous allez pouvoir tracer euh, votre réseau dessus. Donc, on va faire une petite vérification en 3D. Vous voyez, hop, j'ai bien ma table en 3D. Je vais dézoomer, voilà. Je peux tourner autour, regarder un petit peu ce qui se passe. Pour l'instant, j'ai tout fait à plat. D'accord Je vois Frédéric, tu me dis que tu t'es rendu fou. Alors en fait, je ne sais plus comment je l'ai fait d'habitude. Là, j'ai bricolé vraiment un peu de manière empirique. Euh, merci pour les cotes, ouais. Euh, mathématiquement, il y a un schéma de construction exact. Hein. Je ne dois pas être très très loin là, mais c'est pas tout à fait bon. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils s'intègrent dans un carré de 120 par 120. Ils sont conçus pour ça. Donc. Euh, je suis Pas très très loin de la réalité, et euh, surtout en fait, on en dessine un, on peut le dessiner à l'horizontale puis le faire pivoter après. Euh, et, et on est on est exact, il faut être exact. Alors hein. là, j'ai bricolé pour aller vite, mais euh, effectivement, en prenant les codes que tu viens de donner, on, on peut faire le, le, le tracé exact et les positionner. Par contre, il faut ajuster parce que le 90-45 ça va, mais le 59 va pas, c'est plutôt 60 donc, qui nous intéresse. Donc il suffit d'ajuster après de les faire pivoter, et puis ça marche. Bon. Euh, j'ai tout fait à plat. J'ai tout fait à plat et j'ai tout fait surtout sur un niveau. Imaginons que j'ai un niveau de gare caché. Pour l'instant, j'ai juste dit à Inirel, je vais placer des surfaces dans ma pièce. Mais euh, évidemment, euh, on a tous le, la folie des grandeurs, et je veux avoir des gares cachées, comme sur mon réseau pseudo Luzi tout à l'heure, euh, et, et je, je veux faire ça en dessous, 40, 50 cm en dessous, et mettre une rampe hélicoïdale pour descendre avec quatre voies, avec des centaines de, de mètres linéaires de rails et d'aiguillages et et une dizaine de murs architectes pour équiper tout ça, parce que je veux investir une BMW ou une Tesla dans mon réseau de trains miniature. Enfin voilà, vous connaissez un peu l'équation, on a tous la folie des grandeurs. Comment je fais, Comment je fais ben, Pour l'instant, je ne me suis pas préoccupé de cette question-là. Donc évidemment, il y a des outils pour aller plus loin. Et en fait, les outils, vous les avez vus tout à l'heure, quand j'ai commencé le stream, euh, c'est la gestion des... Layers, des couches ou des calques. Ou, enfin, un, là dans la terminologie générale, c'est couches. Vous voyez cette icône ici J'avais une boîte tout à l'heure de dialogue qui m'affichait des couches et je l'ai enlevée. Alors, je vais la remettre. Hop, voilà. Alors les couches, c'est quoi Ce sont des calques. Moi, je préfère le terme de calque euh, qui se superposent et qui permettent de décomposer le tracé de votre réseau en calque. Ensuite, vous pouvez superposer pour avoir une vue d'ensemble. Si vous n'utilisez pas les couches au départ, vous allez le payer cher à la fin quand vous voudrez les utiliser. C'est quelque chose qui doit se penser assez tôt. Le système est bien, mais à mon sens, ne va pas assez loin. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Il est très bien pour faire la schématisation d'un réseau en 2, 3, 4 niveaux. Il est nécessaire faire une simulation de relief en strat, c'est-à-dire de simuler par exemple les couches de styro parce que sinon on s'y retrouve plus. Mais pour faire ça, il n'est pas adapté, il faut faire des, des, des dizaines et des dizaines de calques, c'est ce que j'ai fait sur le projet nomade. C'est faisable, c'est un peu long, un peu fastidieux. Et surtout, bien que les, les calques soient là euh, pour euh, pour permettre la gestion des, des altitudes, en fait, des superpositions d'éléments, de, de, eh en fait, il ne les gère pas. Les calques sont juste des décompositions du schéma en morceaux, mais il n'y a pas de notion d'altitude. Alors en fait c'est bien et pas bien. Il y a des moments où on veut utiliser les calques pour séparer des parties du réseau, et puis il y a des moments où on veut les utiliser pour... classer des éléments par, par strat du réseau en termes d'altitude. Par exemple dire j'ai le moins 40, j'ai le plus 0, et puis j'ai le plus 40. Et ça il ne sait pas faire. Donc on peut avoir à l'intérieur des calques tout un tas d'éléments mélangés. Alors comment ça s'utilise les calques En fait, de base vous avez un calque qui a été créé, une couche, il a appelé couche 1 sur lequel vous avez tout placé. Et en fait, quand vous sélectionnez un élément, par exemple cette table, vous voyez qu'elle est sur la couche couche 1. Par défaut. Il ne vous a pas demandé votre avis, il l'a fait comme ça. Alors imaginons qu'on veuille utiliser. Des calques pour représenter le niveau de table 0, le nouveau de table de roulement. En fait, c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais je voudrais séparer les rails de la menuiserie. Eh bien, je vais supprimer. Je peux supprimer mon rail, mais je vais pas le supprimer. Je vais faire autrement. Imaginons que j'ai placé déjà. Allez, on va mettre quelques aiguilles. On va refaire un petit faisceau d'aiguillage, hein, comme on avait fait tout à l'heure. Et puis, on remet des bouts de rails. Hop. Après on va faire des flex courts mais on va commencer à parler de, de rampe parce puisque je sais qu'il y en a parmi vous qui, qui sont impatients. Voilà, j'ai fait mon, mon premier faisceau. Bon, j'ai fait tout ça. Je veux maintenant séparer les choses et préparer l'apparition de ma gare cachée. Eh bien, je vais ajouter une couche. Je vais, en cliquant sur le bouton qui se trouve ici, ajouter une couche. Et puis je vais pouvoir donner un nom à ces couches pour m'y retrouver. Donc ma couche 1, je vais la renommer, donc je double-clique dessus et je vais l'appeler table. Niveau 0. D'accord Donc c'est mon niveau de référence, c'est mon niveau de roulement. Et ensuite, je vais créer une deuxième couche dans laquelle je vais mettre voix niveau 0. Donc je veux séparer la menuiserie de la voix qui se trouve sur cette menuiserie, mais au même niveau. Ça, c'est ce que je veux faire. C'est moi qui choisis de faire ça. C'est un choix totalement arbitraire. Comment je fais maintenant pour déplacer mes éléments C'est assez facile. Pour l'instant, où se trouvent mes éléments Sur le la couche qui existait au moment où je les ai tracés et qui était active. Quelle est la couche active Celle que j'ai en gris ici. Donc là, c'est la couche voix niveau 0. Quelles sont les couches visibles Toutes celles dont l'ampoule est allumée, y compris la grise. Quelle était la couche active au moment où j'ai placé mes éléments C'est pas Voie niveau 0 que je viens d'ajouter, c'était l'autre, table niveau 0. Donc si je désactive la couche voie niveau 0, vous voyez j'éteins ou j'allume l'ampoule. Rien ne change dans mon affichage. Par contre, si je me mets sur voie niveau 0 et que je désactive table niveau 0, tout disparaît. Donc actuellement tous mes éléments sont dans la couche table niveau 0. Et bien pour déplacer des éléments d'une couche à l'autre, je vais sélectionner toute ma voie. Voilà. Alors là, j'utilise la touche majuscule pour faire une sélection entre un point de départ et un point d'arrivée, ce qui me permet de sélectionner tous les rails entre deux. Vous voyez, j'ai sélectionné toute ma voie là. Bon, il y a d'autres manières de faire. Et je vais simplement changer la couche ici dans laquelle se trouvent les rails. Je les envoie dans voie niveau 0. Ils sont toujours visibles, puisque la couche est activée et visible. Et maintenant, si je cache mes tables, il me reste toujours ma voix. Je peux réafficher mes tables. Vous voyez. Et si maintenant je passe en couche active sur mes tables que je cache ma voix. Alors ça, ça va être très pratique pour gérer des phases de retouche. Vous avez fait des superpositions d'éléments. Vous avez mis vos tables sur vos tables. Vous avez mis des éléments de relief, des masses de styrodure qui sont venus s'aligner sur les bords de vos tables et vous voulez travailler la dimension d'une table qui n'est pas la bonne. Par exemple, mes modules d'angle, je me rends compte que finalement, je n'ai pas fait les bonnes cotes. Pour redimensionner les tables, il faut pouvoir travailler sans qu'il y ait les masses de dur au dessus. Sinon, vous n'arrivez pas à accéder aux petits points qui se trouvent ici et qui permettent de déplacer les, les, les arêtes de vos tables. et bien, si vous n'avez pas séparé les éléments par couche, par calque, ça devient extrêmement difficile d'accéder aux éléments qui se trouvent en dessous des éléments de surface pour les modifier et alors vous imaginez la même chose pour travailler sur une gare cachée si je commence à dire bah, j'ai une table sous cette table là qui a la même dimension qui est une étagère de niveau moins 1 euh, pour pour mes modules maquettis par exemple bah, je vais jamais m'en sortir donc je vais stratifier mon graphique mon schéma avec des couches et ensuite je vais décider à tout moment sur quelle couche je travaille et quelles sont les couches visibles pendant que je travaille Donc là, je peux décider de travailler sans mes tables affichées. Alors, c'est peut-être pas opportun hein, de faire ça, mais euh, je, je dis ah bah là, je me suis trompé, euh, il me manque une voix. donc je refais ma manip. Hop, je déplace, je mets une aiguille, je copie-colle mes rails, je place mon rail. Hop, je retire mon aiguille. Vous voyez, ça devient un réflexe. Hein. Je copie-colle un réflexe. Hop, ah il est plus visible. Je vais le rechercher. Ah, je le ramène ici bouton de droite, lycée Flex, j'ai refait mon faisceau de garage. Bon, je veux voir s'il s'intègre dans mes tables, je l'affiche. Vous voyez qu'il y a un petit cadenas aussi sur les, les différents niveaux. Là, si je vais modifier ici, je peux flinguer complètement mon design en déplaçant par erreur un point. Bon là c'est facile, je le relâche, il se remet, ça va bien. Mais si je m'en aperçois pas, ça peut être pénible plus tard de revenir. Il y a possibilité de verrouiller un niveau. Je dis hop, je clique sur le petit cadenas de table niveau 0. Eh bien, je ne peux plus. Vous voyez, le point est bien visible, le cadre est visible. Hein, je peux passer, ça me le met en évidence. Mais je ne peux plus déplacer ici. Quand je clique, il ne se passe rien. Mes tables sont verrouillées. Attention néanmoins, quand vous cliquez sur le niveau pour l'activer, vous avez vu le cadenas Il s'est automatiquement déverrouillé. C'est un des autres petits reproches qu'on peut faire à Anyrail, c'est qu'un niveau qui est verrouillé, dès que vous l'activez, il se déverrouille automatiquement. C'est un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'il y ait une option pour dire tu ne déverrouilles pas tout seul et tu m'obliges à cliquer sur le cadenas pour déverrouiller. Parce que c'est très facile de cliquer sur la liste ici et de se tromper et de déverrouiller tout. Alors vous pouvez tout verrouiller, sauf le niveau actif du coup. Le niveau actif est toujours déverrouillé. Donc faire très attention avec ce cadenas, il est pratique. Mais assez fragile finalement et on peut facilement se retrouver à faire des bêtises. Alors avançons sur notre niveau de gare cachée. J'ajoute une couche. Je vais dire que j'ai une couche table niveau moins 1 ou moins 40. Je vais donner l'altitude en centimètres. Je veux place ma gare cachée 40 cm en dessous. Et puis je vais tout de suite bah, faire une couche voix niveau moins 40. OK. Euh, je crois pas. Je crois qu'on peut pas changer. On peut changer l'ordre de tri ici, mais on ne peut pas déplacer et dire dans quel ordre les trucs se, se, se classent. Et comme vous pouvez le voir, là, j'ai cliqué sur le, le tri et c'est un tri alphabétique. Donc, euh, si vous voulez pas être embêté, en fait, voilà comment moi je gère pour éviter ce genre de truc où c'est pas dans l'ordre où je voudrais. Ben je vais dire. Alors table niveau -40, je change son nom et je l'appelle 01- voix niveau -40. Je vais l'appeler 02- table niveau -0, niveau 0, 03- et puis voix niveau 0 04- et je trie par ordre Alphabétique, et comme les nombres ont la bonne idée lorsqu'on met un 0 devant, notamment pour éviter les problèmes avec 10 de, et avec 1 de se mettre dans l'ordre qui va bien, et eh bien j'obtiens le tri que je voulais. Voilà, ça c'est les petits trucs euh, qu'on peut faire. Alors euh, attendez, je suis en train de regarder le chat, excusez-moi. Il y a Gabriel qui a mis un, un sondage et du coup, je vois plus les messages. <laughs> voilà. Bonjour Gilles. Les rampes, les rampes. Je vois qu'on réclame les rampes. Et oui, et les branchements électriques en dessous et ainsi de suite. Oui, je vois qu'il y en a qui veulent faire des couches. Euh, bon, on n'est pas en EHPAD ici. Euh, C'est un sujet sensible, les EHPAD en ce moment avec moi, mais bon, ça, vous n'y pour rien. Pas pour moi, hein, mais pour, euh, pour ma mère en l'occurrence. Euh, voilà, donc j'ai créé mes niveaux. Du coup, je veux maintenant placer mes tables sur mon niveau moins 40. Alors, je vais prendre une de mes tables qui m'intéresse. Je vais la copier, CTRL C ou bouton de droite, copier. D'accord Je vais masquer mes tables de niveau 0. Je vais activer mon niveau table moins 40. Et je vais, en fait, je vais masquer tous mes niveaux voyez hop Et puis je vais coller ma table maintenant. Maintenant que je suis dans mon niveau moins 40, je peux coller la table et elle va se coller dans la, 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 la couche dans laquelle je suis. Donc je fais CTRL V, pardon, eh ben, évidemment il fait pas ce que je veux. Il a dû. Alors soit il l'a pas pris, soit il me l'a collé ici. Non, il ne l'a pas pris. CTRL-C. Je masque tout, CTRL V. Ouais, c'est parce que je n'ai pas cliqué dans la feuille, donc le CTRL V ne marchait pas. Donc j'ai bien ma table, d'accord Ma table est bien présente et elle est dans la couche table de niveau moins 40, donc elle est bien là où je veux. Si j'affiche tout, on voit bien que j'ai une table en plus. Vous voyez Mais elle n'est évidemment pas placée où il faut. Bah, en affichant tout, je peux la déplacer venir la superposer, ou simplement j'ai les coordonnées. Hein. Voilà. Donc là, elle est bien superposée. Ça représente l'étagère inférieure de mon module Maquettis. Nonobstant le fait que l'étagère inférieure, elle est plus petite parce qu'il y a les pieds. Donc on va réduire la largeur de cette, de cette étagère. Mais là, elle est à peu près positionnée là où je veux. Donc maintenant, je peux à nouveau masquer les autres niveaux. Je vais zoomer. Et puis comme ma, ma table, ben je vais dire qu'elle fait 5 cm de moins dans chaque dimension, ce qui n'est pas tout à fait vrai parce qu'elles sont un peu plus grandes que ça, les pieds sont plus petits. Mais en fait, je prends une marge de sécurité pour ne pas m'approcher trop des bords. D'accord Et voilà, là, j'obtiens en profondeur la table, la tablette inférieure de mon module maquettis. Et puis comme j'en ai trois, ben, les une à côté des autres. CTRL-C, je dézoome. CTRL-V, je viens placer... Hop, mes trois tablettes et j'ai mon niveau inférieur qui se trouve vous voyez on voit là par transparence on voit mes tablettes qui sont bien alignées avec mes modules inférieurs si je regarde maintenant en vue 3d ce que ça donne il ben n'y a rien il n'y a rien alors pourquoi je vois pas il y a deux raisons qui font que je vois pas euh, ça peut être parce qu'il n'y a pas de voix, qui n'y a rien d'affiché, mais ça peut être aussi, et c'est ce qui se passe actuellement, qu'en fait je ne suis pas à moins 40. J'ai placé mes tables dans une couche que j'ai appelée moins 40, mais j'ai pas dit à AnyRail que les surfaces que j'y avais collées étaient à une altitude de moins 40. Je me suis contenté. De placer des, des surfaces dans un calque. Et pour lui, ça n'a pas plus de sens que de, de, de demander à une mouche d'écrire du Beethoven. Il faut que je déplace mes surfaces pour que je les mette plus bas que le niveau 0. Donc je vais à nouveau masquer tout sauf mon niveau moins 40. Et vous voyez ici, quand je sélectionne un élément, eh bien, j'ai des modificateurs. Je peux par exemple élever. Élever, en fait, c'est modifier l'altitude. Alors en fait, je peux monter et descendre. Je peux aussi faire bouton de droite. Euh, non, il ne me le fait pas. Euh, bon, c'est pas. je cherchais un truc qui n'y est pas. Mais en fait, j'ai surtout, quand je sélectionne surface, ici, hauteur. Vous voyez, hauteur. Alors, si je mets une... Je ne suis pas sûr d'avoir essayé ça. Si je mets une hauteur négative, moins 40, et que je valide, dessus des centimètres, eh bien, on va voir si ça fonctionne. Donc, je vais... Alors, tout réafficher. Tiens, d'ailleurs, vous voyez, je ne vois plus mon cadre. Bah oui, parce que mon cadre il est en dessous de ce niveau-là. Je vais maintenant en vue 3D. Ah Ça marche Mais est-ce que c'est exactement ce que je veux Est-ce que c'est exactement ce que je veux Il me fait un truc bizarre. Vous voyez, il m'a fait une surface ici. Mais il m'a créé un relief en 3D qui rejoint ma voix. Ça c'est une des limites de AnyRail. C'est que lorsque vous allez utiliser des surfaces superposées, euh, vous n'allez pas avoir forcément le comportement que vous voulez en matière de, de, de visu 3D parce que lui il va considérer que tout ce qui est marqué comme faisant partie de la surface de la table c'est le relief et il va jointoyer tout ça pour faire un affichage un peu bidon, d'accord. Donc, est-ce que on peut lui dire, euh, c'est une question que je me suis jamais posée Donc, si je, si je décoche dessus table et que je vais en affichage 3D. Ouais, j'ai toujours ma surface. Pardon. Voilà, si je décoche de de dessus de table, vous voyez, je n'ai plus ma surface de visible. D'accord. Je n'ai plus ma surface de visible parce que lui n'affiche que les dessus de table en surface de visible. Et bien ce qui me semblait, j'étais plus certain de mon coup. Donc Limite de AnyRail. Limite de AnyRail. Vous allez pouvoir modéliser vos meubles complètement, c'est-à-dire faire apparaître ici les cadres qui représentent vos différentes tables à différents niveaux, vos différentes étagères. Vous allez pouvoir, sur chacune de ces strates, faire apparaître vos voies. Par contre, un seul niveau peut être indiqué comme étant dessus de table vous voyez, quand je sélectionne ici et que je coche dessus de table c'est celui qu'il va faire apparaître comme étant la table principale et si vous mettez des tables à des altitudes différentes il va les fusionner pour en faire un volume global de relief et c'est pas ce que vous voulez quand vous faites un réseau par étagère donc les étagères supérieures et inférieures donc ici nos gares cachées on peut modéliser les meubles pour les avoir sur la vue schématique mais on ne peut pas Cocher la case pour les avoir en vue 3D. Ce qui nous amènera à faire ce qu'on a fait tout à l'heure quand je vous ai montré les schémas de démonstration euh, que, que j'utilise, c'est-à-dire de n'afficher en vue 3D que la voix et pas les tables. C'est une des limites du logiciel. Mais ça n'empêche pas de faire une conception par niveau, puisque là j'ai bien euh, effectivement mon niveau table moins 40, où pour l'instant j'ai pas de voix, alors tiens, on va mettre des rails. Hop, on va placer. D'ailleurs, on va placer à un autre endroit des rails. Euh, bah faisons un petit bout de gare caché, d'accord Qu'est-ce que vous en pensez Alors, on va placer un faisceau, un faisceau d'aiguilles. Donc, on va prendre hop une aiguille triple euh, qu'on va mettre en entrée ici, et puis on va mettre des aiguilles médiane, médium euh, pour euh, éclater le, le faisceau en un nombre de voies assez conséquent. Hop, je mets une première voie. Une deuxième voie. Une troisième voie. J'ai le même problème que tout à l'heure. Il me faut un espacement constant. Donc je duplique mes aiguilles pour, avec CTRL-C, CTRL-V, vous voyez ça devient vraiment un réflexe. Hein. On ne le fait pas à la souris parce que à la souris c'est casse-pied. Et voilà, CTRL C, CTRL V. Oui, je ne vais même plus chercher les rails moi dans, le, dans la boîte à outils. Hein. C'est trop long d'aller chercher les rails dans la boîte à outils. <laughs> voilà, hop, j'ai placé mon faisceau. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voies. Bon, on va considérer que j'en ai assez. Je retire les deux aiguilles de fin. Hop, je fais CTRL-C, CTRL V, je viens mettre mon rail. Je fais ma jonction, je demande à lisser le flex. Hop. Tiens, là je vais faire autrement. Celui-là et celui qui va là sont symétriques l'un de l'autre. Donc je vais CTRL-C, CTRL-V, d'accord Et je vais le connecter comme ça. Regardez. Hop, il l'a retourné. Alors, pas tout à fait symétrique d'ailleurs. Oui, parce que l'aiguille ici n'est pas symétrique. Donc j'ai dit une bêtise quand j'ai dit que c'était symétrique. Mais bon, c'est pas grave. Je peux m'en affranchir. J'ai la bonne longueur. Donc je viens hop, connecter. Et euh, je pas cliqué au bon endroit. Lissez flex, voilà pour être sûr. De base, il lisse le flex, mais des fois, je ne fais pas exactement ce que je veux. Donc, je m'assure qu'il est qu refait. Voilà, j'ai mon faisceau de triage. Mon faisceau de gare cachée, mon début de faisceau de gare cachée. Est-ce qu'il est à la bonne hauteur bah, Si je clique dessus, est-ce que je peux voir Alors, je vois qu'il est dans table niveau A. Tam niveau moins 40, bah oui j'ai travaillé dans la couche Tam niveau moins 40, je me suis trompé en fait. Ça, ça devrait être dans voix niveau moins 40. Alors je vais tout sélectionner. Vous voyez, je double-clique sur l'aiguille, il a sélectionné tout le faisceau d'aiguille. Si je triple clic-clic, il sélectionne tout le tronçon de voix, ce qu'il appelle le segment de voix, qui est relié par le, à l'élément, d'une manière ou d'une autre, l'élément sur lequel j'ai triple cliqué. Donc je vais prendre tout ça et je vais dire... Je l'envoie vers voix niveau moins 40. Et ça disparaît puisque le niveau voix moins 40 n'est pas allumé. Je vais le faire réapparaître. Hop, voilà. Donc là, je travaille sur ma voix, je masque mes tables. Vous voyez, bon, tout ça se passe très bien. Je réaffiche tout, donc j'ai mes niveaux superposés. Je vais en vue 3D. Est-ce que c'est bon Ben non, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ma voix de ma gare cachée, je l'ai pas mis à la bonne altitude. Je l'ai mis dans un calque. Mais sans la mettre à la bonne altitude. Alors on va dire c'est un peu casse-pied. Je vais devoir à chaque fois... Non, vous n'allez pas devoir à chaque fois faire les manips. En fait, j'aurais pas dû faire comme ça. Alors est-ce qu'on le refait Je vais vous montrer comment je devrais faire les choses. C'est un petit peu comme quand j'ai fait mes tables tout à l'heure. Donc je vais, je vais tout sélectionner, un deux trois, hop, sauf l'aiguille et je supprime. Donc comment j'ai fait cette manip J'ai triple clic sur l'aiguille. 1, 2, 3. Et ensuite CTRL et je clique sur l'aiguille triple. Ça la désélectionne, mais ça garde le reste sélectionné. Maintenant, majuscule. Enfin je fais suppression sur mon clavier, ça m'efface tout. D'accord. Vous avez des menus raccourcis clavier systématiquement et vous avez la possibilité à chaque fois de faire bouton de droite. Vous voyez, supprimer. Il y a toujours la manière de faire. Euh, le truc. Bon. Si je veux que mes rails soient à la bonne hauteur au départ, c'est-à-dire à une altitude de moins 40. eh bien en fait, il faut que je place un premier rail, il est à l'altitude 0 de base. Je clique dessus, d'accord Et je vais régler sa hauteur. Alors vous voyez là, ce n'est pas une, une boîte de saisie comme pour les surfaces où j'ai un champ. Euh, D'ailleurs j'ai réglé celle-là, mais j'ai pas réglé les autres. Donc celle-là on va les mettre à moins 40. Et moins 40 donc là comme je ne l'ai pas fait avant je suis obligé de le faire après pour chaque surface pour mon rail je vais faire régler la hauteur et là je dois l'avoir ici voilà régler la hauteur et je vais dire bah, je suis à moins 40 aussi d'accord donc mon rail mon aiguille se situe à la même hauteur que ma table c'est ce que je veux vérifions ça je sélectionne toutes mes couches pour tout rendre visible et je vais en affichage 3D. Alors oui j'ai mes tables qui sont mis en surface. Pourquoi Parce que j'ai recoché. J'ai fait contre. Pardon. Je suis en train de faire une bêtise. Ah, il prend automatiquement mes surfaces et il me les met en dessus de table. Bon. Casse un peu les pieds là, Inirail. Est-ce que je suis en train de vous dire des bêtises Accueil, affichage 3D. Alors, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Attendez, je regarde dans le chat s'il y a des choses. Oui, c'est... La louve, c'est ça, les tables, on a, on a des problèmes pour faire apparaître les tables à différents niveaux. Il ne sait pas faire. Et là, j'ai l'impression que ce que je suis en train de vous expliquer, ça ne marche pas. C'est-à-dire de, de quand je suis sur mon niveau moins 40 de table, celui-là. Je décoche dessus de table, il ne devrait pas les faire apparaître. Et, mais il les fait quand même apparaître quand je place des rails dessus. Là, j'ai placé un rail, il m'a fait apparaître. Un niveau de rail. Bon, vous savez ce qu'on va faire pour l'instant. Je vais supprimer cette table là pour voir ce qu'il fait. Non, il y a un truc qui m'échappe. Bon, il y a une solution. Hein. Dans tous les cas, il y a une solution. Regardez, c'est là où faut tricher un peu. Euh, accueil, affichage 3D, n'affiche pas la terre. Voilà. J'affiche pas la terre et je vois bien mes rails, vous voyez, sur deux niveaux. Hein, je vous ai dit, l'affichage du relief, c'est quelque chose de vraiment, c'est pas optimisé, il y a des choses qui peuvent être améliorées, c'est pas le, le truc bon. Mais j'ai bien donc là mes deux niveaux de rails qui sont bons. Euh, hop, voie niveau 40, donc finalement, je vais... Attendez, je reviens en arrière, je fais CTRL Z. Hein. Je, veux, je veux remettre mes tables parce que j'en ai besoin. Voilà, je replace ma table ici. Pardon, hop. J'ai besoin d'avoir ma table pour modéliser mon schéma, mais je ne veux pas les afficher en vue 3D, donc simplement je ne demanderai pas à ne pas afficher la Terre en vue 3D. Ce que je voulais par contre, c'était avoir mon aiguille qui soit placée à moins 40. Donc je l'ai placée à moins 40. Et donc maintenant, quand j'affiche tous mes niveaux en vue 3D, mais sans afficher la Terre, je vois bien mon réseau sur deux strates. D'accord On voit bien là les différences d'altitude en vue 3D entre mes deux strates. J'ai mon faisceau principal au niveau 0 et à moins 40, j'ai mon niveau de garage qui commence. D'accord À partir du moment où j'ai fait ça, voilà, il faut les virer en 3D, on est d'accord, la louve. Une fois que j'ai fait ça, je désactive mon niveau 0 pour pouvoir travailler. Mais maintenant, quand je vais placer des rails et que je vais les connecter à cette aiguille, les rails vont automatiquement s'aligner sur la hauteur de l'aiguille. Regardez, je place ma voie flexible centrale. Et si je fais bouton de droite, régler hauteur, c'est où Régler la hauteur, moins 40. Vous voyez Donc, si je replace maintenant mes aiguilles moyennes que j'avais mises comme ça, toutes là, toutes ces aiguilles sont automatiquement en train de s'aligner avec le niveau moins 40 et de me créer ce que je veux, c'est-à-dire ma gare cachée de niveau moins 40. Donc, je fais ça, hop, je refais mes copier-coller pour placer mon faisceau. De voix. Alors des fois, je clique à côté, hein, quand ça bouge pas là. Vous voyez, hop, je vais remettre un niveau parce que je suis ambitieux. Hop, Ctrl C, Ctrl V. Je place ça, je retire mon aiguille. Ctrl V, je place mon faisceau. Je connecte. Je lisse. Sinon, ça fait un nœud dans les rails. Hein, vous avez vu, c'est pas optimal le nœud dans les rails. Ctrl C, Ctrl V. Hop. Ctrl C Ctrl V, je connecte mes voix. Je supprime la dernière aiguille, Ctrl V pour rajouter un bout de rail. Je raccorde, j'enlève le nœud, lycée flex. J'ai bien mon faisceau. Je demande l'affichage de toutes mes couches parce que sinon en vue 3D, je ne vois que les couches sélectionnées et je vais voir ma vue 3D et j'ai bien ce que je voulais, c'est-à-dire. Voilà, hop, je me déplace. Là, on voit pas mal. D'accord J'ai bien mon faisceau de gare caché à moins 40 et mon faisceau principal au niveau 0. D'accord Mais il ne faut pas afficher la Terre. En fait, si vous affichez la Terre, vous voyez, il vous fait des trucs bizarroïdes. Il considère que vous avez 40 cm d'épaisseur de relief et il fait des tunnels, il fait des trucs comme ça. Il essaye de deviner, en fait. Et il est très mauvais à deviner, ça, il est vraiment pas fait pour ça. Donc vous pouvez modéliser, comme tu l'as résumé, la Louve, les tables. Vous pouvez les modéliser en 2D, mais vous n'affichez pas la Terre quand vous regardez la vue 3D. Sauf si vous n'affichez qu'un niveau, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous décochez euh, l'ensemble des niveaux, vous vous mettez par exemple sur le niveau 0, voilà, vous voyez, je ne coche que ces deux niveaux en visible. Donc, je ne vois que mon niveau 0. Je fais affichage 3D. Et là, vous voyez, mon niveau terre est bon. Parce qu'en fait, je ne lui ne demande pas en vue 3D de représenter mon niveau gare cachée. Donc, ça marche à ce moment-là. Ça marche à ce moment-là. Donc, c'est quand même utilisable. Mais il faut connaître un peu le truc. Il faut comprendre qu'il n'est pas parfait. Et que sur la gestion des altitudes, il n'est pas bon. Alors venons-en maintenant au truc qui, qui, qui a, que beaucoup de gens ont demandé, et puis peut-être qu'on s'arrêtera là, je ne sais pas quelle heure il est, euh, oui il est déjà 20h20, donc ça fait déjà un bout de temps qu'on qu on est ensemble, 99 minutes, mais je sais que vous voulez voir comment on fait des rampes hélicoïdales, et je ne vais pas vous lâcher sans vous avoir montré ça, parce que je sais pas si on aura l'occasion de refaire un live, probablement, hein, mais... Ça dépend un peu de mon temps et, et, et je crois que vous attendez tous qu'on fasse marché Junction avant de vous apprendre à utiliser Enirail. Faire une rampe hélicoïdale pour relier les deux niveaux. Alors on fait apparaître les niveaux de rail. Hop, je fais tout apparaître. Donc j'ai besoin de faire une rampe pour descendre ici, pour pouvoir faire la jointure avec tout ça. Alors vous noterez déjà que pour descendre, il va falloir que je fasse des courbes. Je ne vous ai pas montré comment faire des flex courbes. C'est facile. Je prends un rail flexible. Je le pose ici et au lieu de le laisser droit, bouton de droite, flex courbe. Je lui dis, j'ai besoin d'un flex courbe sur 90 degrés d'angle avec un rayon par exemple de 60 cm. Et bien voilà mon flex courbe. J'ai fait une courbe normale, constante. Je n'ai pas fait un raccordement parabolique. Les plus avisés d'entre vous ont peut-être vu qu'il y avait un menu flex raccordement parabolique. D'accord Donc, il y a moyen de faire plus. Vous pouvez faire des flex droits, mais ça c'est facile, ça permet de redresser un flex. <laughs> D'accord Ou alors vous pouvez faire des flex courbes de n'importe quel angle. Donc si vous voulez un flex courbe, par exemple les aiguilles PECO. Les aiguilles PECO ont un, un décalage de 12 degrés. D'accord L'angle de déviation est de 12 degrés. Alors, on va faire un petit jeu. Je place une aiguille. Alors, arrêt, hop. Je place une aiguille longue. D'accord Je vais placer maintenant une aiguille, une, un bout de droite que je vais pivoter de 90 degrés. Donc j'ai un angle droit ici. OK Comment je fais pour faire la courbe qui vient faire la liaison ici D'accord Et qui maintienne l'angle de 90 degrés C'est facile. Je prends un bout de flex. Je fais bouton de droite, flex courbe. Je veux un angle de 90-12 égale 78 degrés puisque mon aiguille produit déjà 12 degrés de déviation. Je veux le rayon qui est a priori ici, bah, je ne sais pas, 610, machin. Bon, Il y a des rayons hein, pour euh, rayon équivalent. Hop, euh, pardon. 610, c'est en millimètres. <laughs> Donc vous avez vu, c'était parti en sucette. Donc flex courbe, angle 78 degrés, rayon 61 cm. J'ai ma courbe, ma courbe, et vous voyez que ma courbe, là, si je la place ici, elle ne fait pas la déviation complète. Ce qui est normal puisque je l'ai placée par rapport à un rail horizontal. Si maintenant je la déconnecte, donc elle devient mobile, et que je la connecte ici, c'est-à-dire sur la partie déviée, vous voyez que là je suis redescendu à 90 degrés. Et comment je peux en être sûr Eh bien, je viens connecter mon flex droit et vous voyez qu'il est bien parallèle à mon quadrillage j'ai un angle de déviation de 12 degrés sur les aiguilles, je rajoute un segment courbe de 78 degrés quel que soit le rayon, j'ai fait une déviation globale de 90 degrés, d'accord Si maintenant je veux faire une, une voie parallèle à cette flex courbe, eh bien je viens cliquer dessus, bouton de droite, ajouter flex parallèle. Et là, ça va être vachement utile de faire des flex parallèles. Parce que quand on fait des flex droites sur un faisceau de triage, les aiguilles nous permettent de les faire facilement et de respecter un alignement. Mais en courbe, c'est plus du tout la même chose. Donc là, je vais lui dire, je veux un flex courbe à 5,2 ou 6 cm d'écart. Je vais prendre un écart plus grand parce que, ben, euh, en fonction du gabarit de vos véhicules, est-ce que vous utilisez des véhicules de classe A, B ou C? Hein, dans la norme NEM du Morop. Euh, suivant vos rayons de courbure, vous avez besoin d'espacer vos courbes euh, plus ou moins. 6 cm, c'est une bonne valeur. Je vais lui dire que je veux faire un flex courbe parallèle à celui-là, espacé de 6, degrés à de 6 cm à droite. Et regardez, hop Il a automatiquement gardé le même angle, le même alignement, et il a adapté la longueur pour vous produire exactement la bonne courbure. D'accord Donc, vous avez la possibilité de venir raccorder ici hop, un flex droit et vous avez vos deux, vos deux voies, là, votre double voie qui, qui circule bien. Alors évidemment, ici, qu'est ce que vous, vous pouvez faire bah, Si vous mettez une aiguille ici, CTRL-C, contrôle CTRL-V, contrôle j'ai bien ma deuxième aiguille. Alors évidemment, ça, ça ne marche pas. Hein, comme, parce que là, mon aiguille, elle va aller tout droit. J'ai un petit problème. Mais je peux créer comme ça des voies courbes parallèles et je peux le faire à l'infini, ajouter flex parallèle Pardon, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Ajouter flex parallèle. OK. Bouton de droite. Ajouter flex parallèle. OK. Vous voyez, je suis en train de créer un faisceau de courbe. Je peux le faire vers l'extérieur, c'est-à-dire à droite du rail. Droite ou au-dessus Si je lui dis au-dessus, c'est lui. pour lui, ça va être la même chose. Regardez. Dessus. Vous voyez, ça revient au même. Pourquoi bah Parce qu'en fait, c'est en fonction de la courbure de, 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 du rail. Est-ce que euh, le rail se situe dans le cadran euh, supérieur droit, droit, fin... Mais ça, c'est. Empiriquement, on finit par le comprendre. Et si je lui demande de le faire à gauche, ben, il réduit. Si je lui demande de le faire en dessous, c'est-à-dire à, à l'intérieur, euh, ajouter flex parallèle. C'est pareil. Il va me le mettre à gauche, puisqu'en fait il est soit en dessous du rail, soit à gauche du rail. Ça revient au même, on est du même côté de la courbure. Ici, si je suis. Dans cette zone-là, je suis en dessous, c'est-à-dire sous la courbure et à gauche. Et quand je suis ici, je suis au-dessus du rail ou à droite. Ça revient au même. Donc je peux créer comme ça des flex-courbes à l'infini, parallèles. Et ensuite faire mes, mes systèmes d'aiguillage de, de liaison et ainsi de suite. Là, pour créer une rampe hélicoïdale, on a plusieurs moyens de le faire, mais ça va dépendre de comment est structurée notre rampe. Comment elle descend ou elle monte, quelles sont ses hauteurs, est-ce qu'il y a des aiguilles dans la rampe et surtout est-ce qu'elle est circulaire Est-ce qu'elle est circulaire Si vous faites une rampe hélicoïdale circulaire, il y a un outil qui permet de le faire facilement. Regardez, je prends un flex. Je courbe je lui dis, fais-moi un flex courbe, je vais prendre un angle aléatoire de 45 degrés, et je lui dis que je fais un rayon de 55 cm. Voilà, j'ai créé un bout de flex courbe. C'est juste un rail. Et bien maintenant, à partir de ce rail courbe, je peux lui dire, alors, créer hélice. Je ne pouvais pas le faire avant. Vous voyez, le bouton là, le, si je prends un flex droit par exemple, vous voyez, il n'y a pas le, le choix ici. Créer hélice. Et si je prends un flex isolé pour être bien sûr. Non, il n'y a pas créé hélice. Pour créer une hélice, il faut prendre de manière isolée un flex courbe. Il y a donc un angle et un rayon. C'est le rayon qui compte. Le rayon va être celui de l'hélice que vous allez créer. D'accord Bouton de droite, créer hélice. Hauteur du point de départ. Le point de départ, c'est votre rail. Donc là, je vais dire, ben mon rail, il est à... Enfin, je veux qu'il soit à 0. 0, c'était bien. Hauteur du point de terminaison. Est-ce que je monte ou est-ce que je descends Moi, là, je veux descendre. Moins 40. Nombre de spires. Ah ben Là, vous voyez que si je fais une spire pour descendre de 40 cm, j'ai une pente de 11,6%. Négative. À votre avis, est-ce que ça monte 11, donc 116 pour 1000, puisque en en train on parle en parlant pour 1000, donc 11,6% c'est 116 pour 1000. Et ceux qui sont parmi vous affûtés sur le sujet savent que un train entre 20 et 30 pour 1000 c'est le grand maximum, donc euh, on sait qu'il faut pas dépasser les 3%. Gabriel, vous en avez déjà parlé, mais grosso modo, il ne faut pas essayer de descendre de plus de 10 cm par tour. Donc, si j'ai 40 cm à descendre, il va falloir que je descende à 4 tours, ce qui me fait déjà du 2,9%. Mais 10 cm par tour, ça me donne la garde, hein, la, la hauteur, pour laisser passer en rachat un train avec une, euh, des pantographes levés, une locomotive avec des pantographes levés sur une plateforme de voie qui peut être du trackbed ou autre. Si je veux faire un tour de plus pour réduire ma pente, je lui dis que je veux faire 5 tours. Ben, j'ai plus que 8 cm. Voyez, il me donne le calcul. Il me dit vous êtes à 2,3 de pente mais vous avez une hauteur entre spires de 8, 8, pour, de 8 cm. 8 cm de niveau de voie, à niveau de voie. Donc quand vous aurez enlevé l'épaisseur de la planche, l'épaisseur du trackbed, l'épaisseur du, du 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 travelage de la voie et ainsi de suite, vous avez plus vos 8 cm. Donc ça ça passe pas. Là, ça passe pas donc là je vais lui dire que je veux faire quatre tours ça correspond à ce que je peux faire de mieux dans cette situation là ma, Là, ma, ma, ma rampe est probablement trop serrée hein. Et puis ensuite je vais lui indiquer si je veux qu'elle tourne dans le sens de l'horloge donc euh, là ça veut dire que mon rail ici c'est le début et eh ben il va tourner comme ça ma, ma spirale va tourner comme ça, elle va descendre comme ça puisque je vais à moins 40. Je pars d'ici et je descends à moins -40. Si je lui dis sens inverse des aiguilles d'une montre, eh ben elle, elle va descendre dans ce sens-là, descendre dans ce sens-là. D'accord Donc là je vais hop, comme ça. Et il vient de créer ma rampe hélicoïdale. Sauf que vous voyez, c'est un cercle. Alors comment je peux voir que c'est une rampe hélicoïdale ben, Affichage 3D. Regardez. J'ai bien créé une spirale circulaire, hein, parfaitement circulaire dont le rayon est celui du rail flexible que j'avais courbé, c'est-à-dire 55 cm, qui descend de 4 tours, hein on va bien l'afficher, hop. On va déplacer la vue, hop, Check. Vous voyez, là on la voit bien, la spirale. Elle part d'ici, sens des aiguilles d'une monde, et elle descend, hop, un tour, elle a fait 10 cm. Deux tours, elle a fait 20 cm. Trois tours, hop, je suis à moins 30. 4 tours, je suis à moins 40. Voilà, donc j'ai une rampe hélicoïdale qui fait moins 40 de dénivelé avec un rayon de 55, ce qui implique une pente de 2,9%, vous l'avez vu dans le calculateur, et une dénivelée par tour de 10 cm. Comment je fais maintenant pour utiliser cette rampe Ah, là c'est un petit peu plus délicat. Parce que lui, il a placé cette rampe hélicoïdale sur le niveau dans lequel il l'a créée. Vous voyez, le niveau voie 0. Et vous voyez qu'il a connecté entre eux. Vous voyez, les petits points blancs ici, ce sont des segments de rails que je lui avais donnés au départ. Et il a créé ma rampe en connectant des segments de rails qui font la même longueur. C'est comme ça qu'il a fait. Ma rampe, elle a un départ, quelque part. Il est là. Comment je sais qu'il est là bah, Il est là, parce qu'il y a la flèche ici m'indique que c'est le début de mon rail d'accord et elle a une fin où ben, au même endroit <laughs> mais en dessous et je la vois pas comment vous faites quand vous avez fait ça pour raccorder votre rampe ben, en fait vous devez bouger la rampe donc faut sélectionner le rail faut l'amener là où vous voulez par exemple ici faire apparaître le petit point bleu et ça va pas être facile parce que pour lui il y a plein de rails superposés donc il va avoir du mal. Vous voyez, il ne me propose pas l'accrochage. Donc cette méthode-là de créer une rampe comme ça, elle a énormément de limites. En fait, il ne faut pas faire ce que je viens de faire. Il faut faire autrement. Donc CTRL Z, pardon. Je vais sélectionner ma rampe. Voilà, je vais la supprimer. Et je vais faire complètement différemment mon, mon, mon truc. Je vais prendre un bout de rail. Je vais faire mon cour ma courbe. Je vais lui dire, fais-moi un angle de 90 degrés parce que je n'ai pas de raison. 55, ça ne sert à rien de faire des angles de 45. Hein. Je garde le même rayon. Ok, j'ai donc un quart de cercle. Mais avant de faire ma rampe hélicoïdale, il faut que je vienne faire mon raccordement. Alors, comment je raccorde ces deux trucs-là ben, En fait, il faut que j'ai tracé mon itinéraire. Donc, je vais faire. Regardez. On va faire l'opération. Je vais prendre un bout de rail droit. Alors je vais tracer en dehors de mes voix. Hop. Je déplace mon faisceau et je le positionne. Je vais le positionner comme ça. Donc je ne suis plus dans mes tables. Hein. Je suis en dehors de mes tables. Pour faire un truc qui marche, il va falloir que ma voix ici s'éloigne. Oui. Comme ça. Puis avec une autre courbe. Il va falloir que je revienne vers ma rampe et ensuite faut que je la fasse tourner comme ça. Si je voulais faire une rampe hélicoïdale avec ce rayon, il me faudrait, voyez, en ralliant, je copie colle à chaque fois le même segment de rail, d'accord Voilà. Là, je suis en mesure de faire une rampe hélicoïdale qui tient à peu près les promesses de ce que je veux. Je mets mon faisceau de garage à peu près au milieu de ma table et je viens faire un raccordement comme ça et je demande à lisser pour avoir une belle courbure. Voilà. Imaginons ma rampe hélicoïdale qui suivrait cet itinéraire là. Là ça marche. Elle est placée comme je veux. D'accord Mais évidemment, là si je l'affiche en 3D pas du tout ce que je veux, puisque j'ai raccordé du vide, euh, vous voyez, ça marche pas. Hein? Mes voix, ce que j'ai fait là comme raccordement, ça marche pas, puisque ça, c'est pas sur les bonnes altitudes. Donc si je cache. Alors attendez, affiche affichage 3D, je cache la Terre, vous voyez, il y a un truc qui va pas. Hein? Il a relié les rails que j'ai mis, je les ai... vous vous rappelez, je vous ai dit, il les connecte et il les met à la même altitude. Donc quand j'ai mis mes rails courbes, comme j'ai commencé par me connecter en haut, il les a placés au niveau 0. I0, 0, 0, 0, 0 jusqu'ici. Ça, tout ça, je l'ai connecté par le niveau 0. Puis ensuite, j'ai fait une liaison entre ce rail qui était au niveau moins 40 et le niveau 0. Il a donc créé un toboggan. Vous allez voir la tête des trains quand ils vont vouloir descendre ici. Hein Bonjour Marc, ravi de voir ta tête aussi. Ah maintenant tu vois pas, tu vois la mienne. <laughs> Alors comment maintenant je fais pour faire ma liaison Faire ma liaison. Je vais lui demander de construire ma rampe hélicoïdale à partir de ce point là en fait. D'accord Alors je reviens à mon, mon mode conception 3D. Je retire ce rail qui n'est pas bon. Je vais prendre un quatrième rail que je vais connecter ici. Là, ce rail-là doit commencer à descendre. Et c'est celui-là que je vais faire descendre en rampe Bouton de droite. Sauf que vous voyez, je n'ai pas le choix. Pourquoi Parce qu'il est connecté à d'autres. Et lui, dans sa gestion des choses, il faut que le rail soit isolé. Donc je vais d'abord le déconnecter. Hop. Je le déconnecte. Bouton de droite. Et là, je peux créer l'hélice. Je lui dis que je veux descendre, comme tout à l'heure, de moins 40. Que je veux le faire en 4 tours. Je retrouve mes paramètres. Dans le sens d'horloge. Je fais OK. Il a créé ma rampe. Je viens maintenant. Donc là, si je regarde. Affichage 3D, on s'approche de l'objectif. On s'approche de l'objectif. Qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi j'ai 50, 50 épaisseurs de rails Je me suis trompé Visiblement. CTRL Z. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai créé mon hélice Hauteur de point de départ 0, hauteur de point d'arrivée moins 40, nombre de tours 4, Ah, ouais, j'ai dû faire 41. Voilà. Hauteur entre les spires. Ok, oui j'ai fait 41 parce que j'ai pas effacé le 1. Ah, ça commence à prendre forme, regardez. On s'approche, on n'y est pas, hein. on n'y est pas tout à fait. Vous voyez d'ailleurs que j'ai un problème ici. Ma spire, elle passe sous la voie, elle n'est pas bonne, hein. ma rampe n'est pas bonne. Mais on peut corriger par la suite. Par contre, j'arrive à la bonne altitude ici. Je reviens en mode 3D. Je suis sur voie niveau 0. Si maintenant je remets un rail comme ceci. Alors pardon. Je vais me mettre dans voie niveau 40. Je colle mon rail droit. Là, je suis bien en voie niveau 40. Donc je suis à moins 40. Et je viens le connecter ici. Là, vous voyez, il accepte de faire la connexion parce que pour lui, il y a un bout de rail qui arrive à cette altitude-là, qui est à la bonne hauteur. Sauf que ce n'est pas le bon. Vous voyez, il me l'a connecté à l'envers. Regardez. Affichage 3D. Regardez ce qu'il a fait. Les deux rails ici arrivent à la même hauteur. Donc en fait, il ne s'en sort pas. Il ne s'en sort pas. Vous avez bien créé votre, votre rampe hélicoïdale, mais en connexion, il ne sait pas faire. Il a vraiment énormément de mal. Alors, comment faire Il faut lui dire de se connecter au bon rail. Donc, CTRL-Z, je reviens en arrière. En fait, je suis obligé de déplacer les éléments pour, les, pour tricher. Je ne vais pas m'en sortir comme ça. Donc, moi, je ne crée pas mes rampes comme ça. Je ne crée pas mes rampes comme ça. Vous voyez qu'il y a un outil pour le faire, cet outil a l'air vachement simple, bon ok au début, il faut le prendre en main. Il me crée bien une rampe, oui, mais ça marche pas. ça marche pas parce que la rampe vous avez besoin de travailler la rampe Vous avez besoin de savoir venir vous y brancher, vous avez besoin alors comment je fais ça la vraie question comment on crée une rampe hélicoïdale et puis ça ne s'est créé que des rampes circulaires Gabriel, tes rampes elles sont pas tout à fait circulaires. On est d'accord. Donc finalement c'est quoi la bonne solution bah, La bonne solution c'est de virer tout ça Voilà c'est de garder uniquement la partie qui m'intéresse et c'est d'utiliser des couches, des calques. En fait vous avez cette partie-là qui fait partie de la voie principale qui constitue votre amorce de rampe mais vous voulez déjà déjà là, vous voulez que ça commence à descendre ici hein, déjà donc il va falloir régler les hauteurs. Alors première chose que je vais faire, bah, c'est justement de régler les hauteurs. Je, vais dire, je veux descendre de 10 cm par tour. Donc le premier segment de rail doit descendre, si j'ai 4 segments de rail qui font le tour, chaque segment descend de 2,5. Donc la hauteur de ce segment-là, c'est moins 2,5. En fait, la hauteur pour lui, c'est la hauteur moyenne. Ah, pas, pas moyenne, c'est la hauteur du point d'arrivée du segment. Donc je vais dire... Euh, non, attendez, je suis en train de vous dire une bêtise. C'est la hauteur du point de départ. Donc en fait, ce, ce segment-là descend de 0 à moins de 5. Donc je ne change pas sa hauteur. C'est ce segment-là dont je change la hauteur. Je vais dire qu'il part de moins de 5. Voilà. Ce segment suivant part de moins 5. Moins 5. Et puis je vais rajouter un bout de rail. Donc je vais copier, coller ici. Et je vais dire que ces scènes de rail là est à moins 7,5. Tout ça est dans le calque le mauvais. C'est-à-dire que je suis dans le calque moins 40. Donc ce calque là, je vais déplacer ça. Voilà, voie niveau 0. Je replace les éléments dans le bon calque. C'est bon. Regardons ce que ça donne. Affichage 3D. Ah, regardez, j'ai bien ma courbe j'ai bien ma progression qui me fait descendre pas tout à fait de 10 cm en fait, parce que là il, a, il est arrivé à moins 7,5. D'accord Mais vous voyez, il est bien parti du bon niveau et il a commencé à descendre régulièrement, mais là ça s'aplanit parce qu'en fait il n'y a plus de rails connectés sur la suite. J'ai donc fait ma première spire et je l'ai fait dans le calque niveau 0. Eh bien je vais faire mes spires suivantes de la même manière, mais dans d'autres calques. Je vais donc rajouter un calque. Je vais appeler. Alors, je vais. Comme ce n'est pas mon niveau 0, mais que je veux descendre, je vais mettre niveau moins 10. Donc, je vais me l'appeler 0,5-voix niveau moins 10. OK. Où se connectent les rails Eh bien, le rail suivant doit être connecté ici. D'accord Puisque ça, c'est la fin de mon premier tour. Ici, j'ai la fin de mon premier tour. C'est le dernier rail, d'accord, de mon premier tour. Je vais donc rajouter le premier rail du deuxième tour. Ici, il vient se cacher en dessous. Mais avant de, de le placer, donc je vais faire CTRL Z, avant de le placer, ce rail-là, je vais le mettre dans le bon calque. Voyez niveau moins 10. Vous voyez Ceux-là sont dans... Dans un autre calque, qui sont dans le calque le calque 4 niveau 0 que j'ai appelé 04 voix niveau 0. Ce rail là est dans le calque 5. Ok, donc je peux le connecter. Il disparaît parce qu'il est superposé, mais je peux regarder la magie du truc, faire réapparaître. Alors je vais garder mes tables. Mais vo voilà. Je viens de faire réapparaître mon rail et je, là je suis dans mon calque 5. Je peux coller CTRL-C, CTRL-V, je colle mes rails pour former ma spire. Quelle était la hauteur de ce rail-là Moins 10, puisque c'est le. J'arrive au niveau du premier tour. Moins 10. Moins 12,5. moins 15 et moins 17,5 pour ceux qui suivent. Ok, tout ça dans le calque 5. Si maintenant j'affiche tous mes calques et que je vais voir ma vue 3D, si je ne me suis pas trompé, regardez ma rampe commence à prendre forme parfaitement régulière, sauf le dernier tronçon ici qui à chaque fois est un peu plat. Mais vous voyez, tout à l'heure, c'était la spire d'au-dessus qui était plate, maintenant elle ne l'est plus, elle continue sa descente parce qu'elle est connectée à un rail qui descend. Et vous voyez, j'ai bien mon phénomène de ressort qui est en train de se mettre en place. Mais je peux accéder indépendamment à chaque partie de ma spire en sélectionnant les bons calques. Ici, je suis sur le niveau moins 10. Si je vais sur voie niveau 0 et que je désactive niveau moins 10, que je peux d'ailleurs verrouiller au passage, eh bien, je vois le niveau supérieur donc là comme je veux continuer à descendre d'un tour je vais ajouter un calque que je vais appeler bien sûr 06 voix niveau combien pour ceux qui suivent moins 20 ok mon dernier rail se trouve ici je fais ctrl c alors je suis mon dernier rail est dans le calque 5 donc je reste bien sur le calque 6 actif, je copie-colle dans mon... Pardon, CTRL-Z, j'ai fait un... Voilà, CTRL-C, CTRL-V. Donc je viens de coller dans le calque 6 un rail supplémentaire. Hop, je le connecte. Je masque mon niveau 5, mon calque 5, et hop, c'est reparti. Je fais mon deuxième tour. Et vous voyez, finalement, une fois qu'on a chopé le truc, ça va relativement vite. J'ai donc fait un tour de plus. Ici, j'étais à moins 20. Il suffit de reprendre l'altitude et de rajouter, enfin d'enlever à chaque fois ,5. ,5. 2,5. Moins 22,5. Moins 25 moins 27,5 et ainsi de suite. J'ai fini mon troisième tour, je vérifie mon travail, affichage 3D, vous voyez, votre rampe est en train de se construire. Vous avez quatre tours à faire. Ce n'est pas très long. C'est pas très long. Mais surtout en faisant ça. Vous gardez complètement le contrôle sur tous les segments de rails qui sont tous accessibles parce que vous avez un calque par tour. Vous avez un calque pour chaque tour. Il n'y a donc dans un calque donné aucun rail superposé. Les rails qui sont sur des altitudes différentes sont dans des calques différents. Vous voyez l'importance d'utiliser les calques. Vous avez un calque par tour, donc par hauteur de 10 cm. Il suffit d'être rigoureux dans votre placement. Et vous construisez comme ça n'importe quelle hélice. N'importe quelle hélice, de n'importe quelle forme, mais également si vous voulez faire une double rampe, eh bien vous êtes dans votre niveau moins 20 là. Regardez. Bouton de droite, ajouter flex parallèle. À gauche. Bouton de droite, ajouter flex parallèle à gauche, bouton de droite, ajouter flex parallèle, à droite, bouton de droite, ajouter flex parallèle, à nouveau à droite. On regarde ce que ça donne en 3D. Allons-y. Je sélectionne toutes mes couches. Affichage 3D. Regardez votre rampe. Elle a doublé. Elle a doublé. Je viens de créer une rampe à double hélice de n'importe quelle géométrie. Et mes rails, comme je les ai mis par rapport à ma première hélice en disant ajouter flex parallèle, il les met à la même hauteur. Je suis donc beaucoup, beaucoup plus efficace, in fine, à créer mon, ma rampe hélicoïdale que si je laisse le logiciel le faire. Et surtout, je garde la main et je peux à n'importe quel moment venir dire, bah tiens, voilà, prenons le cas de Wissenheim, au niveau moins euh, 5. Au niveau moins 20, plutôt, j'ai une aiguille à mettre dans, dans la rampe, à un endroit. Par exemple, imaginons que j'ai une coupure ici. Eh bien, je viens déconnecter ce rail là. Je dis, bah tiens, ce rail là, hop, je l'enlève. Hop, je le place comme ça. Je prends mon aiguille. Euh, on va prendre, euh, hop, celle là. Tchac, je viens la mettre ici. Je viens remettre mon rail approximativement. C'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Voilà, je viens faire, hop, voyez ma jointure comme ça. Je viens faire ça. Alors évidemment, hein, c'est pas beau. Bouton de droite, lisse flex. Il m'a arrondi un peu les choses. C'est pas terrible. Mais en fait, si je fais bien les choses, c'est-à-dire que je choisis, là, vous voyez, j'ai pris une aiguille droite. On va prendre plutôt une aiguille courbe, hein On va être plus malin. Donc. Euh, Puisque normalement j'avais calculé mon coup pour que ce soit bon avec une aiguille courbe. Vous voyez là, la courbure est plutôt bonne. Donc je vais prendre un segment, Ctrl C, Ctrl V. Je viens le prendre. Alors c'est plus tout à fait la même courbure, on est d'accord. Je viens couper ici, couper flex. Hop, j'enlève ce petit bout. Je le sélectionne, supprimer. Hop. Et puis je viens raccour. Voilà. C'est pas parfait, mais c'est pas grave. Ça n'est qu'un plan. Ça n'est qu'un plan. Et puis regardez, bouton de droite, ajouter flex parallèle au-dessus. OK. Et voilà, j'ai fait une sortie dans ma rampe hélicoïdale, ou sortie ou entrée. J'affiche tous mes niveaux, je repasse en vue 3D, et j'ai bien ma sortie dans ma rampe hélicoïdale, avec mon aiguille insérée correctement. Alors, est-ce que c'est important qu'au millimètre près, ce soit exact Non Vous voyez C'est pas important que ce soit exact au millimètre près, ce qui est important c'est que ce soit exact conceptuellement, parce que de toute façon au moment où vous allez fabriquer ça, en fonction du bois, en fonction de vos contraintes, en fonction de... Vous aurez des variations et vous aurez des ajustements de dernière minute à faire. Donc le millimètre n'est pas important et vous pourrez lisser la courbure de ce segment-là pour qu'il soit parfaitement parallèle, ou en tout cas l'essentiel du temps, avec la première spire pour avoir un truc le plus propre possible. Je vois Marc euh, Didier pardon qui dit purée c'est compliqué ben, en fait ça laisse sans l'être parce que essaye de faire la même chose sans la gestion des calques et sans les outils des c'est vraiment carrément délire c'est quasiment impossible de faire des rampes hélicoïdales avec un logiciel où tu as pas ce système de calque où tu as pas la construction progressive et le fait qu'il gère lui-même la rampe progressive c'est-à-dire la, la courbure enfin, la, la, le fait que les rails soient inclinés sur une courbure constante Simplement en donnant l'altitude du rail sur son point de départ. Ça, c'est important. Quand vous réglez l'altitude d'un point, d'un rail, c'est par rapport à son point de départ. C'est quoi son point de départ Un rail, il y a deux bouts. Mais en fait, c'est le point où il est connecté. D'accord Et là où vous l'avez créé, là où vous l'avez connecté en premier. Et donc, quand vous réglez l'altitude, ça lui donne une inclinaison. Et après, ben, il continue dans la même pente, automatiquement. Mais des fois, il se plantera. Et des fois vous devrez venir corriger l'altitude d'un segment pour avoir une, une rampe hélicoïdale qui soit correcte. Mais vous voyez que si je continue là et que je fais mes spires jusqu'au bout, ben je vais arriver à ma connexion en douceur. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse Bon c'est pas très long hein, finalement. Allez, on le refait. Hop, on rajoute un calque. 0,7 voix. Ah pardon, je clique au mauvais endroit. Alors. Ok. Ok. Donc, 0,7 voix niveau moins 30 d'accord là c'est un peu le boxon hein. j'en ai pris dans tous les sens mais c'est pas un problème hop je cache tout je ne fais apparaître que la voix niveau moins 20 je copie le segment de rail niveau qui m'intéresse le dernier du niveau moins 20 donc là je vais partir de la rampe non c'était la rampe intérieure qui m'intéressait donc c'est celui-là je me mets bien sur le niveau moins 30, je colle mon rail dans le calque et je viens le connecter, ça marche. A partir de là, je masque mon calque précédent et je fais 4 fois CTRL-C, CTRL-V, voilà, je colle mes segments. J'ai fait un tour de plus, je rajoute mon niveau 0,8. Mon niveau d'arrivée, hein, voix niveau moins 40. Ok, je masque. Voilà, je, je prends. Dans mon niveau moins 30, je prends ce rail-là. Je me mets dans le niveau moins 40, je colle le rail. Je le connecte. Je masque le niveau précédent. Et à nouveau, en partant de là, je fais un collage 4 fois du même rail. Non, trois fois, là j'ai fini. J'ai fini, je suis arrivé dans l'axe de ma voie principale. On regarde. Affichage 3D. Ah non, il me manque un tour. Non, j'ai mon tour, mais je ne suis pas descendu. Ah Il n'a pas réglé les altitudes. Ou alors je l'affiche pas. Attendez, qu'est-ce qui se passe Niveau moins 40. Clac. C'est quoi les altitudes de mes rails Régler la hauteur. Ouais, il n'a pas, pas descendu. Là, je devrais être à moins 30. Moins 32. Alors ça, des fois, ça ne marche pas. Vous voyez, je vous ai dit. Mais je peux corriger. Moins 32,5. Ce rail-là est à moins 35. OK. On réaffiche. Affichage 3D. Voilà, là ça descend. Alors bah je ne suis pas encore au bon truc, évidemment, parce que je suis arrivé à moins 35 ici quelque part. D'accord Maintenant je dois connecter ces rails-là, et ce rail-là va être la fin de ma descente, puisque ma, ma rampe, en fait, elle est partie, elle a commencé à descendre ici. Donc pour faire un tour complet, il faudrait encore que j'ai un quart de tour. En fait, ma rampe, elle aurait dû commencer à descendre ici, pour que j'arrive dans l'axe, le même axe en descente. Donc là il me manque une longueur de voix, donc je vais faire mon raccordement, hop. Alors il me faut mon niveau moins 40 et ma voix niveau moins 40. Voilà, je mets ça comme ça. Je dis ça, c'est moins 37,5, et pas moins 40. Donc ça descend jusqu'au niveau moins 40. Et on vérifie si je ne vous ai pas dit de bêtises. Regardez. À peu de choses près, il faut encore que j'ajuste ici l'aiguille. En fait, il hein, y, y a une question d'altitude, mais bon, globalement, ouais, ici, ici, j'ai un problème d'écart. Vous voyez, ma rampe, elle n'est pas bonne ici. J'ai un problème d'altitude. Elle est bien ici, j'ai bien mes 10 cm de spire à spire. Par contre, ici, je ne suis pas descendu assez, donc euh, voilà, j'ai des trucs à corriger sur les hauteurs des rails. Par contre, mes rails sont bons, enfin, euh, ils sont connectés comme il faut, et je descends bien. Donc, je dois bricoler, hein, c'est. Il y a des choses qu'il faut un petit peu bricoler pour créer la rampe. Ça ne marche pas parfaitement parce que des fois, il n'aligne pas bien les rails au niveau altitude. Mais une fois que vous l'avez fait, ben vous allez réussir à, à obtenir le résultat qui vous intéresse. Et dans tous les cas, ce qui compte le plus, c'est que vous gardez la main. D'accord Vous gardez la main, vous avez la possibilité pour chaque rail d'y accéder grâce au calque. Vous avez pour chaque rail la possibilité d'aller le corriger, de le retirer, d'en remettre un. Alors plus vous faites des manips, moins les automatismes fonctionnent. Hein? Mais euh, les... vous pouvez vous en sortir. Parce que, encore une fois, quand vous êtes sur le calque 7 ici, vous ne voyez qu'un seul niveau de rail. Et après, bah, il suffit de regarder, effectivement. Euh, je vois dans le chat qu'il y en a qui suivent, vous voyez moins 30 moins 30, moins 27,5 donc ici, là, je suis pas bon. Moins 30, je devrais être... Euh... Non, c'est le dernier rail du tour, ça, ça, c'est le premier rail du tour. Donc moins 27,5, euh, faudrait reprendre... Ouais, vous voyez, ça descend pas. Moins 27,5. Alors, vous voyez qu'il y a un truc aussi, verrouiller la hauteur. Ça, c'est vachement important, parce que autant le verrou ici, du calque, marche pas bien parce qu'il s'enlève tout seul, que vous pouvez quand vous avez créé votre rampe et qu'elle est bonne, verrouiller les rails. D'accord De sorte que euh, on, on les modifie pas par, euh, par erreur. Donc vous pouvez verrouiller un rail complètement pour pas qu'il soit modifiable et... Bref, la grosse difficulté de AnyRail, c'est quoi je vous avais dit tout à l'heure, au tout début, ça fait... on va s'arrêter là parce que ça fait presque deux heures que je vous fascine un petit peu à... avec tout ça. Qu'est-ce qu'il faut retenir de AnyRay Ergonomiquement, c'est assez facile à utiliser. <laughs> il faut prévoir la marge autour de votre schéma, vous voyez, pour avoir de la place pour travailler. La grille, tout ça, ça marche bien. Il ne faut pas essayer d'être précis au millimètre près, parce que sinon, ou au centimètre près, notamment, il faut utiliser la grille et le magnétisme, sinon vous allez vous casser la tête pour pas grand-chose, pour obtenir des résultats dont la précision n'est pas utile. Par contre, Globalement, vous avez la géométrie des appareils de voix qui vous est fournie parce que vous avez les catalogues, vous avez des, des manipulations qui sont assez précises sur les angles euh, pour créer des courbes d d du rayon que vous voulez avec les angles que vous voulez. Enfin voilà, c'est facile. Il faut apprendre à, se manipu à manipuler les flex. Les flex, ça se manipule via le bouton de droite en cliquant dessus. Et vous avez essentiellement des opérations pour... Faire du lissage, c'est-à-dire avoir une courbure homogène, enfin pas homogène, mais harmonieuse entre deux points, point de départ et point d'arrivée d'un flex. Vous avez tout ce qui est ajout de flex parallèle, c'est super important. Et puis, savoir créer des flex courbes essentiellement euh, d'un du, rayon et, et d'une longueur donnée, pour ensuite éventuellement créer des hélices. Mais vous avez compris que moi, je n'utilise pas ça. Je travaille essentiellement avec des flex courbes ou paraboliques que je combine pour créer les flex qui vont bien. Et puis après, il faut apprendre à couper. Couper le flex à un endroit, à rajouter et à jouer avec les aiguillages. Dire je place un aiguillage, je l'enlève, pour finalement utiliser la même distance. Vous avez vu comment je crée mes faisceaux d'aiguillage. Donc jouer avec les aiguilles, jouer avec les flex courbes, et ensuite apprendre à jouer avec les hauteurs et les calques. Et répartir vos altitudes dans des calques différents, sinon vous ne vous en sortirez jamais. En tout cas... Pour une rampe hélicoïdale. Ce sont des rails superposés. Si vous ne les mettez pas niveau par niveau dans des calques différents, vous êtes mort. Et la fonction de rampe hélicoïdale de Eniray, de, de, de vous avez compris qu'il faut l'oublier. Elle n'est pas du tout pratique. Euh, elle marche pour faire un... Elle crée le, la structure de rail, mais en fait, cette structure, vous n'êtes même pas par exemple capable de dire je fais une double, une double hélice. Non, vous allez faire deux hélices indépendantes, puis après il faut les aligner. Vous voyez, euh, bah, c'est pas très pratique. Quoi. Et pour les connecter, vous avez vu que ça marche pas bien. Donc faites plutôt vos hélices à la main en utilisant des calques. Euh, placez vos tables pour avoir des points de repère. Vous pouvez verrouiller vos surfaces. Gardez en tête que seul un niveau peut être représenté en volume. Et on verra peut-être dans une autre vidéo comment créer du relief en superposant des surfaces. Vous avez vu qu'il fait des trucs un peu de manière automatique quand on superpose des surfaces les unes au-dessus des autres, il est relié entre elles pour faire un volume. Et ben on peut utiliser ce mécanisme là si on comprend comment il marche pour faire les superpositions de styro Donc, moi en termes d'usage, je vais vous remontrer. Alors, j'enregistre pas ce, ce, ce fichier là. Je vais vous remontrer le, le niveau, le réseau que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est le réseau 11. Voilà. Réseau 11 agrandi. Vous voyez ce réseau-là, bah, vous voyez qu'il y a des couches tous les 10 cm à gauche. Si on regarde bien, hein, on va les reprendre en partant du, du, du départ. Voilà, la couche 0, eh ben, le plus 0, bah, c'est le niveau principal. Alors non, je suis parti du 0, c'est mon niveau de gare caché. Donc vous voyez beaucoup mieux tout à que tout à l'heure ce que je vous expliquais. J'ai créé mes surfaces en vert. Ici, vous voyez ces carrés-là, ce sont des modules. J'ai représenté en petit les pieds de modules, vous voyez, qui font... Euh, alors, le, le quadrillage, là, doit être de, de 2,5 par 2,5. Donc, mes pieds font 5 par 5. Et donc, il y a deux pieds à chaque intersection de module. J'ai créé mes faisceaux de triage, machin. Ça, ce sont les spires d'arrivée de ma rampe hélicoïdale quadruple. Il y a trois voies qui arrivent ici et une voie qui arrive en bas. Parce que ma rampe ne sort pas du même côté. Et ça, c'est la boucle de retournement. Vous voyez, si je la sélectionne, on voit le faisceau. Voilà, c'est le fameux pseudo-lusie. Vous voyez qu'on descend par ici dans la gare cachée. On a, donc c'est le, le rayon intérieur qui est le plus court, donc c'est forcément la voie de descente. On rentre dans la gare cachée. Une fois qu'on est sorti de la gare cachée, on fait le tour de la pièce, on vient jusqu'à la boucle de retournement, on se retourne dans, sous la rampe hélicoïdale. Ici c'est une tablette basculante, donc il n'y a pas d'aiguille, qui permet de laisser passer la porte d'accès à la pièce. On revient en arrière jusqu'en contournement de la gare cachée. Et puis, on repart dans une spire de diamètre plus grand pour remonter la rampe hélicoïdale. Ça, c'est le niveau de la première gare cachée. L'autre double spire de la, de la rampe hélicoïdale, puisqu'il y a deux doubles spires, arrive ici. Vous voyez, on descend. Non, on descend ici. On descend ici, la, la rampe intérieure. On descend ici. Euh, non, je vous dis une bêtise. Non, non. Celle-là, c'est celle l'autre. Celle elle est là. Voilà. On descend d'un côté ou de l'autre. En l'occurrence, on descend ici. On fait le tour de la pièce. On rentre dans la gare cachée. Et hop, on reprend directement la rampe hélicoïdale en remontée de l'autre côté. On a fait un demi-tour dans la pièce. Okay. Donc, j'ai bien deux gares cachées autonomes qui sont situées à deux extrémités du réseau qui est en os de chien, mais qui utilisent la même rampe hélicoïdale pour monter. Tout ça est sur le niveau 0. Donc, vous avez ici les rails qui vont de 0 à moins 7,5. Enfin, à plus 7,5. Puisque 0, c'est le niveau des gares cachées. Donc, je monte de 0 à plus 7,5. Et quand vous arrivez au niveau 10, vous changez de calque. Et le niveau 10, vous voyez, c'est la continuité. Regardez bien. Vous voyez, c'est l'amorce des rampes hélicoïdales. Vous voyez, on voit les. Là, j'ai les deux niveaux 0 et 10 d'affichés, donc on voit bien le niveau des gares cachées qui commence à monter sur des plateaux, qui embrayent à l'intérieur des rampes hélicoïdales et qui commencent à tourner en boucle. Et si je cache ce niveau, on distingue le niveau qui est à 10, 12,5. Euh, 12,5, ici je suis, voilà, quinze. Et puis bah ben après, alors c'est pas forcément sur les bonnes les bons calques, mais on va commencer à monter. Et puis je remonte au niveau suivant, hop, vous voyez les spires suivantes. Et puis les spires suivantes. Et puis j'arrive au niveau 40. Et le niveau 40, c'est le niveau principal où vous retrouvez les boucles d'arrivée des rampes hélicoïdales. Donc avec la première double voie qui est... La double voie qui est ici, l'une des extrémités, l'autre des extrémités qui arrive de l'autre côté de la gare. On passe par la gare et on voyait on est bien en os de chien. on va à une gare cachée ici, on revient en arrière, on revient à la gare. Donc c'est l'usine, hein? les, bretelles, les bretelles doubles à l'entrée et à la sortie de l'usine. Et vous avez ici la deuxième descente vers la gare cachée et la sortie vers Marodieu se fait ici, qui va vers, et ça, ça va vers une autre partie, la, la rampe qui monte. Et vous allez voir si j'affiche le niveau 50 regardez, hop, la rampe qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, monte jusqu'au niveau de Marodieu qui est en étagère donc je vais masquer à nouveau ça voilà comment fonctionne avec enirel et puis quand vous avez mis tout ça bout à bout que vous affichez, affichez ça en 3D alors là il est un peu long à calculer pour me donner la vue 3D parce qu'il y a beaucoup de rails voilà et vous voyez que je n'affiche pas la terre parce que si j'affiche la terre bah c'est tout simplement invivable vous voyez ça tient pas la route pas plus que je n'affiche les tunnels parce que bah, pour la même raison mais si j'affiche uniquement la voix, et bien on voit bien mes trois niveaux, mes spires qui sont globalement bien, bien étagés, même si vous voyez ici ça manque de place, hein, donc il y a des ajustements à faire. On voit bien, alors on voit, on distingue la raquette de retournement qui est ici, qui passe ici un petit peu en dessous, vous voyez, on faut, faut bouger hein, elle est là. Voilà, mais on a bien les voies, on a les gares cachées, on a les niveaux de roulement. Voilà, voilà ce à quoi vous pouvez arriver. Ce réseau-là m'a pris trois soirs, pour trois soirées de 2 trois heures de travail pour le modéliser, pour le plaisir. Hein? Voilà, voilà ce qu'on peut faire avec AnyRail quand on prend le temps de structurer son réseau en couches. Avec les calques, de régler les hauteurs de voie, de tracer les tables comme il faut, et puis euh, éventuellement après, vous pouvez commencer à rajouter du relief pour simuler des tunnels et, et ce genre de choses. Voilà, les amis, euh, il est 21h, on a commencé à un peu plus de 18h30, donc ça fait 2h30, c'est un, un live qui est extrêmement long, mais je voulais vous faire ça parce que je vous l'avais promis. Je remercie Gabriel qui m'a prêté la chaîne de Wissenheim pour le faire, puisque moi, je n'étais pas en mesure de le faire. On va en rester là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Euh, faites du train, comme dirait Gabriel. Profitez bien. Et puis moi, il est temps que j'aille manger un morceau avec la famille qui doit avoir mangé sans moi. Et surtout que je me repose parce que vous attendez de moi autre chose, je crois. On a des petits trucs à fournir et à vous livrer. Allez, bonne soirée à tous. Amusez-vous bien. Faites du train. Faites